Bonsoir à tout le monde et bienvenue une fois de plus sur cette plateforme Africa Live on Mission pour notre direct qui, bien entendu, va être le second. Et nous aurons la possibilité ce soir de partager ensemble un merveilleux enseignement qui a fait beaucoup de bien à plusieurs dans le passé et que nous aurons la possibilité de revoir ensemble ce soir. La Bible dit, je ne cesse de vous dire les mêmes choses. Et si ce sont des choses qui sont favorables à notre édification, alors pourquoi pas? Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de pouvoir rendre grâce à Dieu et nous entrerons dans notre thématique. Sortons donc hors du camp. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce et le privilège que tu nous accordes d'être tournés à nouveau vers ta parole. Merci parce que tu nous as sortis des ténèbres où nous étions jadis, pour nous faire asseoir en tant que fils dans ta maison. Merci pour ce grand privilège que tu nous fais, non seulement de nous avoir sauvés, mais aussi de pouvoir être utiles entre tes mains, en tant qu'instrument de propagation de l'évangile et également d'édification du corps. Seigneur, nous voulons donc te prier que ce moment que tu nous donnes soit un moment de partage qui va nous faire grandir spirituellement. Et Seigneur, je te prie, pour ce qui me concerne, que tu me donnes les mots justes et les paroles appropriées pour pouvoir parler à ce peuple ici assemblé. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir une fois de plus. Good evening once more. Pour vous qui nous recevez à la maison. For you that are receiving us at home. Paul disait dans la parole qu'il a souhaité aller vers vous pour vous communiquer quelques grâces. Paul used to say in his word that he wished to come towards you to communicate to some grace. Le sentiment qui était le sien au moment où il écrivait ces mots. The feelings that he had when he was writing. Est le même qui est le mien ce soir. Is the same that I have this evening. J'aurais bien voulu venir directement vers vous. I wish I could come directly to you. Pour pouvoir vous communiquer quelques grâces de la part de l'Éternel. In order to communicate to some graces from God. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que la connaissance a augmenté. But we thank God because the knowledge has increased. Et la technologie permet aujourd'hui que je puisse arriver vers vous directement. And technology allow me to come directly to you. Alors je veux utiliser donc cette plateforme. So I'm gonna use this platform pour pouvoir vous communiquer ces quelques grâces. In order to communicate to these few grace. Et la thématique que nous allons aborder ensemble ce soir. The topic we have this evening. Tel que nous l'avons vu. As we saw. Ce sera donc sortons hors du camp. Is let's get out of camp. Je voudrais préciser des choses assez importantes que nous connaissons déjà certainement. I would like to precise some important things that we already know. Nous étions en captivité dans le monde. We were in captivity in the world. Tout comme le peuple d'Israël a été en son temps en Égypte. The same way the people of Israel were in Egypt. Et une fois que Dieu a envoyé Moïse auprès d'eux, directly as God sent Moses to them, il les a sortis de la captivité dans laquelle ils se trouvaient. He led them out of the captivity in which they were. Au travers de la sortie du passage par la mer Rouge. And he made them pass through the Red Sea. Et du sang de l'agneau qui avait été versé au préalable. And from the blood of the lamb that was flowed. Et après qu'ils aient traversé la mer Rouge. After they crossed the Red Sea. Ils ont éprouvé une très grande joie. They were so happy. Tout comme cette joie du salut qui nous anime au lendemain de la compréhension de la bonne nouvelle. The same way as we have the joy of salvation once we realize our salvation. Et pendant 3 jours, nous pouvons donc être dans cette dynamique, dans cette mouvance. So for 3 days, we can be in that happiness, in that joy. Mais seulement quelques jours plus tard, but some few days later, le peuple a dû commencer la marche dans le désert. The people started walking in the desert. Et quand ils ont commencé cette marche, once they started that walk, ils ont pu se rendre compte que le désert qui était, ce qui se retrouvait devant, en face d'eux, c'était un désert. They realized that what was in front of them was the desert. Et ce désert n'était pas un endroit favorable. And that desert was not favorable. C'était un endroit affreux et difficile. It was horrible, it was awful.
tel que peut nous l'expliquer le texte de Deutéronome chapitre 8. As the Deuteronomy chapter 2 can explain. Chapitre 8 précisément. Chapter 2, chapter 8 precisely. Alors nous allons donc nous rendre compte que so we can realize that le peuple qui va donc en commencer à marcher dans le désert, the people who start walking in the desert, cette marche dans le désert va être une marche pleine d'instructions pour eux. That walk in the desert will be an instruction for them. Et nous savons donc, and we know that nul n'a besoin de trop insister là-dessus, without insisting on that, mais tous ceux qui sont sauvés, but all those who are saved, savent qu'ils entrent directement dans le désert, know that they enter directly to the desert. Et la marche chrétienne se fait dans le désert, and the Christian walk is in the wilderness. Or ce désert était un endroit où le Seigneur avait l'intention d'instruire énormément et abondamment le peuple. And that wilderness was a place where the Lord wanted to instruct in abundance the people. Et depuis le livre d'Exode, since the book of Exodus, jusqu'au Deutéronome, till Deuteronomy, et je vais même aller jusqu'à l'entrée dans Canaan dans le livre de Josué, I will even go to the entrance into Canaan in the book of Joshua. Ce désert a été esparsemé d'enseignements. That desert is full of teachings. Et d'instructions que Dieu communique au peuple. And the instruction the Lord communicates to the people. Et il arrivait donc que pendant leur marche dans le désert, so it could happen that during their walk in the wilderness, que le peuple s'établisse en campement. That the people establish themselves as a building, camp. Effectivement, que le peuple s'établisse en camp. That they establish an in camps. Et nous allons donc parler de ces quelques points là ce soir. And we're going to talk about those few points this evening. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, so beloved in the Lord, je voudrais donc dire premièrement, I would like to say firstly, que en accord avec le texte de Nombre chapitre 2 à partir du verset 1, in the according to the book of Numbers 2 chapter 1, quand Dieu prend le peuple, Numbers chapter 2 verse 1, pour les amener dans le désert, when God took the people and brought them to the wilderness, il va marquer une pause à un certain moment, he will make a break at a certain moment, afin de dénombrer le peuple, in order to count the people, afin de connaître quelles sont les forces qui sont à la disposition, qu'il a à disposition, in order to know which are their strengths, d'organiser ces forces là, in order to organize those strengths, afin qu'elles puissent être réellement utile entre ses mains. So that they could be useful in his hands. Et ces forces vont être organisées en bannières. And those strength will be gathered as banner. Et dans d'une autre manière, on pourrait parler d'organisation en tribus. And in other way, we could talk about tribal organization. Et personne n'était membre du peuple. No one could be member of people sans appartenir à une bannière précise. Will be partaker of people without belonging to a banner. Et nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 2, le verset 1 à 2, si on peut lire ensemble, s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les anciens de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Numbers chapter 2, verse 1 to 2. La Bible nous dit que chaque personne devrait camper près de sa bannière. The Bible says each man will camp under the banner. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Of his division and the flag of his own clan. Et quand ce peuple a été réparti en bannières, so when those people were divided in banners, il n'y a personne qui s'est retrouvé dans le peuple sans appartenir à une bannière. No man found himself in the people without belonging to a banner. Qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Ça veut dire que personne ne peut être dans l'église. It means that nobody can be in the church sans être attaché à une bannière. Without being linked into a banner. Quand Dieu nous sauve, when God saves us, il ne nous laisse pas un électron libre dans l'église. He doesn't allow us to be free. Il ne nous laisse pas déambuler n'importe comment. He doesn't allow us to walk the way we want. Mais il nous rattache à une bannière. But he links us to a banner. Et le peuple se réunissait donc en bannière. And the people used to gather as in banners. Et chaque bannière connaissait quelle devait être sa position. And each banner had to know what was his position. Même quand il devait prendre la marche. Even when they had to take the walk. Il ne marchait pas n'importe comment. They were not walking anyhow. Il y avait un ordre bien déterminé. They had an order. On savait quelle était la bannière qui prenait la route en premier. They knew which banner would start first. Qui vient ensuite. Who will come later. Et quand il était même question d'aller au combat. Even when they had to go to the fight. Les différentes bannières ne se déployaient pas de manière désordonnée. The different banners were not working anyhow. Alors chacune des bannières pouvait envoyer une certaine troupe.
each banner could send a troop. Pour que ces troupes-là se constituent dans un corps d'armée spécifique. In order for those groups to become specific armies. Pour aller porter une action au combat. So that they could render an action to fight. De même dans l'église. The same way in the church. Nous tous nous sommes établis en bannière. All of us are established in banners. Et personne ne devrait être dans l'église sans appartenir à l'une de ces bannières qui sont érigées. No man can belong to the church without belonging to one of the banners. Et j'ai souvent l'habitude de dire. I used to say. Que parmi les bannières. Among the banners. Il va donc exister les hommes. We will have men. Nous aurons les femmes. We will have women. Nous aurons les jeunes. We will have youth. Et nous pourrons également avoir les plus jeunes. And we could have the younger ones. Et chacun de ces groupes-là appartient et est constitué comme étant une bannière. Each of those groups is constituted as a banner. Et quand il vient un moment. And when it comes a moment. Où il devrait se mener une action de combat. When they have to make an action of fight. Une bannière. A banner. Chacun sait qu'il doit être mis en avant. Each knows that he has to go forward. Quand nous sommes en matière de prédication. When we are preaching. Nous savons qui doit aller en avant. We know who must start first. De même, bien-aimé dans le Seigneur. The same way beloved in the Lord. Quand il arrive donc justement. When it happens that. Que un combat doit être mené. That a fight has to take part. Il peut donc s'organiser un corps d'armée là ponctuellement. So there is an army that will be organized directly. Qui pourra donc être constitué à la fois d'hommes. Which will be constituted of men. De femmes. Women. De jeunes. Youth. Et de plus jeunes. And the younger ones. Pour pouvoir aller au combat. In order to go to the fight. Et la victoire. And bring back the et victory. Et ça peut s'observer lors des conventions. And we could see that during conventions. Des séminaires et seminars autres. And others. Et quand c'est nécessaire. And when it's necessary. Ces jeunes, ces femmes et ces hommes. Those youth, women and men. Peuvent constituer un corps d'armée au sein des groupes comme les arts et la culture. Can constitute a group at it's the one of the art and culture. Quand on va aller dans la prédication. When we go to the preaching. On va trouver également les jeunes et les hommes à l'intérieur. We will see youth and men inside. Quand on sera peut-être dans la chorale et dans la cuisine. And when we go to the choir, even to the kitchen. On va trouver des femmes, des jeunes et des hommes à l'intérieur. We will find youth, women and men within. Qui vont donc constituer un corps d'armée ponctuel pour pouvoir répondre à un besoin. Which will constitute a specific army in order to respond to a need. Mais nous avons besoin dans un premier temps d'être identifié et connu dans notre bannière. But in the first time, we first need to be identified and known in our banner. Ça veut dire que si je suis une personne dans l'église. It means that if I'm a person in the me church. Me revendiquant être du corps. Revendicating belonging to the sans body. Sans avoir une appartenance réelle dans une bannière. Without having a specific belonging to a banner. Je deviens donc une personne à problème. I become a problematic person. Alors j'aimerais que tu t'interroges. So I would like you to interrogate yourself. Quelle est ma bannière? What's my banner? Et si à cette réponse là, c'est-à-dire à cette question, il n'y a pas une réponse claire. And if in that question you don't have a clear response. Ça veut dire que ta position dans l'église a un problème. It means that your position in the church has a problem. Et ce n'est pas une appartenance à bannière de manière fantaisiste, mais ça doit être une appartenance connue et effective. It should not be a fantasy belonging, but it should be something known. Parce que chaque bannière. Because each banner. Doit être capable même de faire son inventaire et de dire exactement qui la constitue. Must be capable in to know its constitution. Et chaque bannière connaît quelle est son action quand le combat se présente. And each banner knows its actions when it's time to fight. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous sommes dans l'église du Seigneur. We are in the church of the Lord. Et chacun des membres de ce corps. And each member of the body. Que nous sommes. That we are. Joue pour une activité spécifique. Place for a specific activity. Et j'aimerais que quelqu'un en lise ensemble ce texte, s'il vous plaît. Allons-y, un, deux, trois. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La Bible nous 1 Corinthiens 12, verset 4 to 7. La Bible nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. The Bible says we have diversity of gifts, but we have the same spirit. Et je voudrais donc attirer l'attention pour chacun d'entre nous. So I would like to draw the attention of each soit one. Que nous soyons dans une bannière. That even if we belong to a banner. Soit que nous soyons
dotés de capacités spécifiques, whether we are gifted of specific capacities, il est donc très important que chacun comprenne que ce que Dieu nous donne a pour objectif final d'être utile au corps. It's very important to know that whatever God gives us is for a goal in the body. La Bible dit que nous pouvons avoir diversité de ministères. The Bible says we can have diversity of ministries. Diversité de dons. Diversity of gifts. Mais tous ces dons sont donnés par le même esprit. But all those gifts are given by the same spirit. Or, un même esprit ne peut pas nous donner différents dons pour que ces dons soient utilisés de manière disparate. A same spirit cannot give us different gifts in order for them to those gifts to be used anyhow. La Bible nous dit que nous avons diversité d'opérations. The Bible says we have a diversity of abilities. Mais Dieu, c'est Dieu qui opère en chacun d'entre nous. We have different ways of serving, and the God is the one operating. Or, ces opérations ne peuvent pas avoir un objectif antagoniste. And those abilities cannot be different. Awkward. Et la Bible nous dit, and the Bible says, or chacun à chacun la manifestation de l'esprit, the spirit presence is shown in some way in each person, est donné pour une utilité commune, for the good of all. J'ai envie que tu dises avec moi où tu es assis ou en train de m'écouter, une utilité commune. I want you to say where you are seated with me that for the good of all. Ça veut dire que si tu as des capacités, it means that if you have capacity, qui ne sont pas pour l'utilité commune, which are not for the good of all, et que tes capacités à toi, c'est-à-dire tu les emploies pour ton utilité à toi personnellement, and that your capacities you use them only for yourself, ça veut dire que tu ne travailles pas pour l'utilité du corps. It means that you are not working for the use of the body. Tu es en train de travailler pour ton propre intérêt. You are working for your own interest. Et à l'intérieur, Dieu ne trouve aucun intérêt. And inside, God finds no interest. Tu te promeus peut-être toi-même. Maybe you make your own promotion. Mais ce que tu mènes comme activité et comme action, and what you render as activities, as action, n'aide pas à l'utilité commune. It's not for the good of all. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Meanwhile, beloved in the Lord. Nous savons que Dieu a déversé toute une foule de capacités dans les sauvés. We know that God has a spray on many capacities in the saved ones. Et toi-même, tu sais, étant assis et en train de m'écouter, quand je parle de capacités et de dons, il y a des choses qui montent dans ton cœur. And you know, when I'm talking about capacity and gift, there are things climbing in your heart. Oh, si ces choses que tu dis connaître ne sont pas utiles pour le corps entier, and if those things you say you know are not useful for the whole world, ça veut dire que le don que tu as a un problème ou alors est inutile pour l'église. It means that the gift that you have has a problem or is useless for the church. Or, si un frère a un don inutile pour l'église, ça fait donc de ce frère un frère inutile. If a brother has a useless gift for the church, it means that that brother is useless. Alors, est-ce que tu es un frère inutile ou tu es un frère utile? Are you a useless brother or are you a useful brother? Examine donc tes activités dans le passé. So examine your activities in the past. Et même dans le futur, quand tu vas poser des actions, examine-les. Even in the future, when you're gonna lay actions, examine them. Si une sœur a une belle voix, if a sister has a beautiful voice, mais que cette voix ne sert pas à l'utilité commune, and that voice is not used for the good of all, ça veut dire que c'est une voix qui est inutile. It means it is a useless voice. Si un frère est musclé, if a brother has muscles, il est fort physiquement, he is physically strong, et qu'on ne voit pas l'impact de sa force pour l'utilité commune, and we don't see the impact of his strength for the use of all, ça veut dire que son muscle est inutile. It means that his muscle is useless. Si un frère se dit intelligent, if a brother is saying that he's si un frère a des moyens, if a brother has money, si un frère a quelques dons et quelques capacités que ce soit, if a brother has some capacities or some gifts, whatever, pas à l'utilité commune, without it being useful for the good of all, il doit s'interroger sur ce don. He has to ask himself many questions about those gifts, that et, gift, et sur ses capacités, and of his capacities. Alors permettez-moi donc, so permit me, d'aller vous présenter le peuple d'Israël quand il se mettait en camp, quand il faisait une pause dans sa marche. To present to the people of Israel when they used to make a break in their walk. Je ne sais pas si vous aurez la capacité de bien voir.
I don't know if you have the capacity of seeing it clearly. Mais la Bible nous dit que plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont sortis d'Israël. The Bible says more than 600,000 of men and women left Israel without counting women and kids. Or, quand on parle du décompte de 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. But when we talk about the counting of men and women without counting the kids, c'est un décompte qui n'incluait pas les personnes de moins de 20 ans. Is a counting which were not including people beyond less than 20 years. Or, quand Dieu parle donc de 600 000 personnes, so when God talks about 600,000 people, sans compter les femmes et les enfants, without counting children and kids, ça nous amène à une population de plusieurs millions d'habitants. It brings us to a population of many millions of inhabitants. Laissez-moi peut-être spéculer et dire qu'ils étaient plus ou moins dans les 3 à 4 millions de personnes. Please allow me to speculate that they were beyond 4 or 3 millions of people. C'est donc ce sont des millions de personnes qui marchaient. And millions of people were walking. Qui marchaient dans le désert. They were walking in the wilderness. Et il arrivait donc que quand ils s'arrêtaient, ils s'établissaient en camp, en campement. And it used to happen that when they were walking, they established in camps. Et ces camps étaient organisés de manière bien ordonnée. And those camps were so much organized. On avait à peu près le tabernacle comme ceci au milieu. We could have the tabernacle in the middle. Et chaque bannière était érigé. And each banner was raised. Et nous avions donc les bannières étaient organisées tout autour du campement. So the banners were around the camps. Et quand ces bannières étaient organisées, le camp était au centre. Le temple était au centre du camp. And the temple was in the middle of the camp. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, so, beloved in the Lord, je voudrais bien que vous puissiez comprendre, I want you to understand, qu'au moment où le peuple s'établissait donc comme un camp, so, as the people were establishing as a camp, c'était un peuple qui était nombreux. It was a plentiful people. Et il y avait une distance importante. There was an important distance entre le tabernacle et les premières tentes du camp. Between the tabernacle and the first tent of the camp. Les seuls campements qui étaient auprès du tabernacle. So the five camps that were around the tabernacle. Les quelques tentes qui étaient autour du tabernacle, c'était les tentes des sacrificateurs. So those tents were belong to the priest. Et des lévites également. And the Levites too. Alors, permettez-moi de vous représenter l'image. Allow me to represent you the image. Ok. Alors, quand nous regardons ici, nous pouvons donc nous rendre compte que. So when we look here, we can realize that. Il y avait une distance importante entre les deux, comme the, je le disais. We had an important distance between the two. Donc, entre le peuple et la tente d'assignation ou le tabernacle. Between the people and the tabernacle. Et chaque membre du chaque campement était donc disposé de telle sorte qu'il regardait directement en direction du temple. And each campment was organized in such a way that they were looking directly to the temple. Donc tout le monde, il n'y a pas une bannière qui faisait écran à une autre bannière. So no banner could block the sight of the other banner. Mais toutes les bannières avaient la possibilité de regarder directement le tabernacle. But all the banners could look directly to the tabernacle. Certes, toutes les bannières n'avaient pas la possibilité de voir directement toutes les dimensions et tous les contours du tabernacle. Those banners could not look all the contournment of the temple. Mais seulement, chacun avait donc la possibilité de regarder un aspect de ce tabernacle-là. But everyone had the possibility to look an aspect of the tabernacle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, so, beloved in the Lord, nous savons donc clairement, we know clearly, que le tabernacle dont nous sommes en train de parler ici, that the tabernacle we're talking about here, il n'est question de personne d'autre que de l'Église. It's nothing less than the church. Il est question du Christ lui-même. It's Christ himself. Or, vous savez avec moi and you know que Christ est le tabernacle. That Christ is a tabernacle. Et que si Christ est le tabernacle, and that if Christ is a tabernacle, l'Église est le corps de Christ. The church is the body of Christ. Ça veut donc dire que nous nous retrouvons en Christ dans le tabernacle. It means that we find ourselves in Christ in the tabernacle. Mais ici spécifiquement, but here specifically, excusez-moi que je vous réaffiche l'image. Let me put the image back. Donc,
Nous avons donc ici. We have here. Ce tabernacle qui est une image de Christ. This tabernacle which is that the image of Christ. Et c'est d'une certaine manière à ce moment que Dieu va venir habiter corporellement, on va dire au milieu du peuple. And it is in a certain way that the Lord will come to stay in the midst of the people. Et le camp était donc la représentation de ces saints qui étaient tout autour, so, avec Christ au milieu. So the camp was the representation of all the saints who were around the temple. Or le camp c'est donc quelque chose qui doit pouvoir incarner la pureté qu'on retrouve en Christ. So the camp is something that is incarnating the purity that we find in Christ. Et l'Écriture va nous dire. And the scripture will say. Nous serons ici dans le livre de Nombre chapitre 5 à partir du verset 1er. We are here in the book of Numbers chapter 5 from verse 1. La Bible nous dit, et je m'en vais lire pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou une souillure par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp qui est au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyaient hors du camp comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Alors, nous sommes ici dans le livre de Nombre chapitre 5. So we are in the books of Numbers chapter 5. À partir du verset 1. From verse 1. Jusqu'au verset 4. To verse 4. Donc Dieu avait donc interdit au peuple. So God forbid the people. De pouvoir garder à l'intérieur du camp. To keep in the midst of the camp. Des personnes qui étaient jugées coupables ou reconnues. Who were judged guilty. De lèpre. Who were recognized as lepers. Des personnes qui avaient une quelconque souillure de mort, une gonorrhée ou autre. People who had gonorrhea or who were stink of death. S'il y avait un homme ou une femme qui était reconnu coupable de ces choses-là. If a woman or a man could be guilty of these things. On le sortait du camp. They would have brought him out of the camp. Sauf que j'ai envie de vous poser la question. Only that I want to ask you the question. Quand il était sorti du camp. When he left the camp. Vers où il était envoyé? Where will he go to? On l'envoyait donc directement en direction du temple. Du temple. They would send him directly to the temple. Parce que si il était constaté qu'il était impur. Because if it was noted that he was. Ce sont les sacrificateurs qui devaient s'occuper de sa pureté. The priest would have taken care of his purity. Si il avait été constaté qu'il avait une plaie sur lui. If it had been noted that he has a wound. Ce sont les sacrificateurs qui devraient s'en occuper. The priest will be the one to take care. Donc nous pouvons donc voir ici. So we can see here that. Que on ne pouvait donc pas garder quelqu'un qui peut-être était constaté comme non sauvé dans le camp. They could not keep someone who was as unsafe in the camp. Il devait être envoyé en direction du temple, en direction du tabernacle pour être purifié. Who will have to be sent in the direction of the temple in order to be purified? Si quelqu'un avait une maladie comme celle qui sont citées, if someone had an illness as the one we named, on devait l'envoyer au sacrificateur afin que ce soit le sacrificateur qui s'occupe de sa purification. They had to send him to the priest because the priest was the one to clean him. On n'essayait pas de guérir la personne à l'intérieur du camp. They will not try to heal the piercing in the camp. Et il n'était pas conseillé non plus de le garder à l'intérieur du camp. And it was not even allowed to keep him in the camp. Mais on devait le sortir du camp pour l'envoyer en direction du tabernacle. But you had to bring him out of the camp in order to send him to the tabernacle. Alors bien-aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Je vais donc aller parler de quelque chose de très important. So I would like to talk about something important. L'importance de la Pâque dans le désert. The importance of Pâques in the desert. La Bible nous dit. The Bible tells et je vais nous inviter à lire le texte avec moi. Nombre chapitre 9, le verset 7 au verset 10. I will invite us to read. Est-ce qu'on peut lire? Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain,
il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et là, je crois que quelqu'un qui l'a compris pourrait dire amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il y a quelque chose de très important à comprendre dans cette image. There is something very important in understanding this image. En fait, dans ce message, dans ce passage. In this verse. La Bible nous dit. The Bible tells us. Les enfants d'Israël sont face à une situation. The children of Israel are facing a situation. Ils ont été en contact avec un mort. They are in contact with a dead corpse. Ils savent que c'est interdit. They knew that it was forbidden. Pour quelqu'un qui a été en contact avec un mort. For someone who were in contact with a corpse. De s'approcher et de venir célébrer la fête pour l'Éternel. To come close and celebrate the feast of the Lord. Mais comme c'est la Pâque. But because it's the Pâque. Ils ont compris ce qui s'est passé avec eux quand ils sortaient d'Égypte. Because it's the Passover, so they understood what happened when they were leaving Egypt. Et ils se rapprochent de Moïse. So they came to Moses. Demandant à Moïse, s'il te plaît, grand frère, explique-nous un peu cette histoire. Asking Moses, please, elder brother, explain us this thing. Est-ce que si quelqu'un souillé par le contact de mort, if someone who got filthy by the contact of a corpse, arrive à la période de la Pâque, arrive in the Passover, a-t-il le droit de célébrer la Pâque ou non? Is he permitted for him to celebrate the Passover or not? Moïse réfléchit. Moses thought. Et il a dit, attendez. And he told them, wait. Je vais d'abord aller demander à Dieu. I will first go ask to God. Et il revient avec la réponse. And he came back with the answer. Mais je voudrais vous dire. But I would like to tell you. Si ces gars demandent, posent cette question à Moïse. If these people ask this question to Moses. Ça veut dire que dans leur fond, ils avaient déjà la conviction que c'est possible. That means within them they knew that it was possible. Malgré l'interdit. Despite that it was forbidden. Parce qu'ils ont compris ce que représentait la Pâque pour eux. Because they understood what was the Passover for them. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Un homme n'est pas pur parce qu'il offre des sacrifices à Dieu. Someone is not pure because he offers sacrifices to God. Mais un homme est pur parce qu'il a compris le sacrifice que Dieu a offert pour lui. But a man is pure because he understood the sacrifice God offered. Et c'est sous l'onction de cette compréhension qu'il s'établit sa justice. And it's under the anointing of this understanding that his justice is established. C'est pour ça que Dieu va leur dire. That's why God will tell them. Va dire à ces gars qu'ils ont le droit de célébrer la Pâque. Go and tell those people that they have the right to celebrate Passover. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, because l'homme n'est pas pu, le peuple d'Israël n'est pas déclaré enfant de Dieu à cause des offrandes qu'ils auront données à Dieu. The people of Israel are not declared children of God because of the offerings they gave to God. À cause des offrandes de culpabilité qu'ils auraient donné à Dieu. Because the offerings of guiltiness they gave to God. Mais ils sont purs. But they are pure. Ils sont membres du peuple. They are members of the people. Parce que Dieu avait ordonné qu'ils offrent une Pâque. Because God ordered them to offer a Passover. Quand ils étaient encore en Égypte. When they were still in Egypt. Et c'est cette Pâque-là qui leur donne le droit, l'appartenance en tant qu'enfant d'Israël. It is that Passover that gives them the right as children of Israel. De même bien aimé dans le Seigneur. The same beloved in the Lord. Nous ne sommes pas justes à cause de la justice que nous manifestons, même quand nous sommes déjà sauvés. We are not righteous because of the righteousness we manifest when we are already saved. Est-ce que nous avons besoin de nous présenter purs devant Dieu? Do we need to present ourselves pure in front of oui. God? Yes. Parce que c'est recommandé. Because it is requested. Et l'écriture est claire là-dessus. And the scripture is clear about that. Nous avons besoin de manger cette Pâque avec les pains sans levain. We are asked to eat this Passover with bread without leaves. Mais est-ce que c'est notre pureté d'intérieur? Est-ce que c'est notre justice qui nous rend juste aux yeux de Dieu? Is it our righteousness that makes us right? Non, God's eyes? No. Nous sommes justes. Parce que la Pâque a déjà été offerte pour nous. We are righteous because the Passover has already been offered for us. Et la pureté que Dieu nous demande. And the purity God is requesting for. C'est en concordance avec la pureté que lui-même il a déjà manifestée pour nous. It's according to the purity he has already manifested for Donc us. Donc nous sommes purs de la pureté du Seigneur. So we are pure from God's purity. Et c'est parce que nous sommes en conformité. Nous sommes une image. Nous sommes membres du corps du Seigneur. It's because we are in conformity because it is an image. We are the body of the Lord. Que le Seigneur va donc nous demander de célébrer sa Pâque avec des pains sans levain. That the Lord will ask
us to celebrate the Passover with bread without yeast. Avec des pains sans levain, ça dit que sans souillure, sans nous compromettre, sans que nous soyons retrouvés dans des choses sales et vaines. Bread without yields, it means that we should be found without compromission, without useless things. Et la Bible nous dit. And the Bible tells us. Faites disparaître le vieux levain. So let the old yields go. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. For you to be a new paste. Puisque vous êtes sans levain. Because you are without yields. Car Christ votre Pâque a été immolé. Because Christ your Passover has been. Je veux que vous lisez bien. Crucified. I want you to read well. Afin de disparaître le vieux levain. So you have to make the old yeast disappear. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. For you to be a new paste. Puisque vous êtes sans levain. Because you are without yeast. Donc la Bible dit que nous sommes sans levain. The Bible says we are without yeast. Mais il nous demande de faire disparaître le vieux levain. But he's asking us to let the old yeast pass. Si nous sommes donc sans levain, on prend le vieux levain où? So if we are without yeast, where are we taking the old yeast? Puisque nous sommes déjà sans levain. Because we are already without yeast. Ça veut donc dire que notre justice, it means that our righteousness, aux yeux de Dieu, in God's eyes, ne s'établit pas par rapport à ce que nous faisons. It's not established because of what we do. Mais ça se fait en rapport avec ce que le Seigneur a fait pour nous. But it's made according to what God did for us. Et nous marchons simplement. Il nous a demandé de marcher en conformité de sa vie. So he's asking us to walk in conformity of his life. Afin que ce soit une célébration à l'honneur de notre Seigneur. In order for it to be a celebration or for the honor for our God. Pour lui faire honneur. In order to honor him. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Can someone say amen? Alors bien aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Étant donc membre de ce corps. Being a member of the membre de l'église. Member of the church. Membre du peuple. Member of the people. La Bible nous dit. The Bible tells us. Dans le psaume 32 verset 8. In Psalms 32 verse 8. Je t'instruirai. The Lord said, I will teach you. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. The way you should go. Je te conseillerai. I will instruct you. J'aurai les regards sur toi. And advise you. Ça c'est une très belle parole. This is a beautiful word. Où le Seigneur nous rassure. Where the Lord ensures qu'il va nous instruire. That he will instruct us. Et qu'il aura les yeux sur qu'il a les yeux sur nous. And that he has his eyes on us. Et cela est donc beau, bien aimé dans le Seigneur. And this is beautiful, beloved in the Lord. Parce que comme avec le peuple d'Israël. Because as with the people of Israel. Dieu avait les yeux sur eux en permanence. God had eyes on them permanently. Chacun étant dans sa bannière. Each one being in his tous banner. Tous étant constitués en un seul peuple. All of them being constituted as one people. De même quand le Seigneur nous sauve. The same way when God saves nous us. Nous devenons donc son camp. We become his camp. Nous sommes son église. We are his church. Sa maison. His house. Et c'est lui-même qui veille sur notre instruction. He is the one taking care of our instruction. Et la Bible nous dit. And the Bible tells us. Dans 1 Timothée 3, verset 15. In 1 Timothy 1, verse 3, verse 15. Mais afin que tu saches. But if I delay. Si je tarde. This letter. Comment il faut se conduire. This letter will be led to you. Dans la maison de Dieu. Do you know how we should conduct ourselves in God's household? Qui est l'église du Dieu vivant? Which is the church of the living God? La colonne et l'appui de la vérité. The pillar and support of the truth. Donc l'église c'est la maison du Dieu vivant. So the church is the household of the living God. Et comme à l'époque d'Israël. As in the days of Israel. C'est un Dieu qui veille et qui vit au milieu de son peuple. It is a God who watches and who lives among his people. Qui veille à son édification. Who pay attention to his edification. À son instruction. To his instruction. Et qui se rassure de nous dire comment il faut nous conduire dans cette affaire. And who ensure himself to tell us how we should behave. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Because beloved in the Lord. Notre conduite dans l'église. Our conduct in the church. Qui est encore appelé notre sanctification. Which is still called our sanctification. Ne se fait pas selon que les hommes pensent. It's not been done the way men think. Selon que les institutions ont établi. It's not been made the way institution has established.
flesh. Mais ça va se faire selon les Écritures. But it's been made according to the Scriptures. Sous la conduite du Saint-Esprit. Under the conduct of the Holy Spirit. Oh, nous sommes à l'air. And we are at the rail. Où le Saint-Esprit ne travaille plus avec un homme. Where the Holy Spirit no more works with Mais l'Esprit de Dieu travaille avec l'Église. But the Holy Spirit works with the church. Ayant organisé cette Église. Organizing his church. Alors Dieu donne l'instruction à qui de droit. God gives instruction to the person he wants. Pour pouvoir éduquer. In order to educate. Pour pouvoir expliquer au peuple comment il faut se conduire. In order to explain to the people how they should conduct themselves. En accord avec les Écritures. According to the Scriptures. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Comme le peuple d'Israël dans le passé. As the people of Israel in the past. Je voudrais que tu lises avec moi ce verset. I want you to read this Bible first. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Matthew chapter 18, verse 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. The Bible says, for where two or three come together in my name. Je suis au milieu d'eux. I am there with them. Or, le milieu d'eux. And what is there? C'est en image de ce qu'on voyait dans quand le camp s'établissait. It is the image of what you used to see when the camp was established. C'est que là où le camp s'établissait. It means when the camp was established. Dieu était toujours au milieu. God was always in the midst. Et ça donnait donc la possibilité à chaque membre du camp. It used to give possibility to each member of the camp. À chaque bannière. Of each banner. De regarder directement en direction du tabernacle. To look directly to the direction of the tabernacle. Ce tabernacle qui était l'image de Christ. That tabernacle who was the image of Christ. Pour pouvoir apprendre et tirer instruction de lui. In order to learn and draw instruction from him. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Il est donc possible que tes frères se réunissent. So it's possible for brothers to gather. S'établissent. Establish themselves. Et commence à parler. And start talking. Mais le sujet qui est au milieu de ce n'est pas le Seigneur. But the topic they talk about is not the Lord. Mais la Bible nous recommande. But the Bible recommends us. Et nous fait comprendre. And let us know. Que il s'assoit, c'est là où deux ou trois sont assis. It is where two or three are gathered. Et en son nom. And in his name. C'est là qu'il est au milieu. That he is in their midst. Ça veut dire que si ce n'est pas le nom du Seigneur qui est là. It means that if the name of the Lord is not there. Ce n'est pas lui qui est au milieu. It means it's not the one in their midst. Or deux ou trois frères. Meanwhile, two or three brothers. Peuvent s'assembler autour d'un match de Champions League. Can gather around and watch a match of Champions League. Ce n'est pas le Seigneur qui est au milieu. And the Lord is not in their midst. Deux ou trois peuvent s'assembler autour du nom d'une sœur. Two or three can gather in the name of a sister. Ce n'est pas le Seigneur qui est au milieu. The Lord is not in their midst. C'est la sœur qui est au milieu. It is the sister who is in their midst. Deux ou trois peuvent être assemblés au nom d'un frère. Two or three can be gathered in the name of a brother. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas le Seigneur qui est au milieu. It's not the Lord who is in their midst. C'est le frère qui est au milieu. It is the brother who is in their midst. Deux ou trois peuvent être assemblés autour d'un business. Two or three can be gathered for a business. Ce n'est pas le Seigneur qui est au milieu. The Lord is not in their midst. C'est le business qui est au milieu. There is the business who is in their midst. C'est la raison pour laquelle je veux nous dire. That's the reason why I would like to tell you, beloved. Quand un frère te dit, je suis avec vous en esprit. When the brother tells you, I'm with you in spirit. Qu'est-ce qui est en esprit? What is in spirit? Ce qui est en esprit. What is in spirit? Étant donné qu'on a un problème avec l'écran. As we have a problem with the screen. On va demander de déplacer l'écran là pour qu'on mette le projecteur pour nous permettre d'aller plus rapidement et que vous puissiez nous suivre effectivement. We are going to use the projector for you to listen. Donc bien aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Quand quelqu'un frère te dit que nous sommes en Christ. When the brother tells you we are in Christ. Là, qu'est-ce qu'on met dans nous sommes en Christ? What do you put in we are in Christ? Être en Christ. Being in Christ. C'est être dans les quatre piliers que nous connaissons. It means being in the four pillars we know. La parole. The word. La prière. Prayer. La communion. Fellowship. L'évangélisation. Evangelism. Si quelqu'un n'est pas dans ces quatre éléments. If someone is not in those four elements. Alors il n'est pas en Christ. It means he's not in Christ. Quand il nous dit je suis dans un même esprit avec vous. So when he say I'm in the same spirit with you. Ça veut dire qu'il doit être dans ces quatre éléments. It means he must be in those four elements. Si il n'est pas trouvé dans ces quatre éléments. If he's not been found in those four elements. Il n'est pas en Christ avec nous. He's not in Christ with us. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Can someone say
say amen. 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 Alors bienvenue dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens. We are going to go in the book of 2 Corinthians. Chapitre 6, le verset 3 à 4. Chapter 6, verse 4 to verse 3 to 4. La Bible nous dit. The Bible tells us. Et je m'en vais lire pour vous. And I would like to read for us. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. We do not want any more to find fault with our work. En quoi que ce soit. So we try. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. So we should try not to put obstacles in anyone's way. Donc la Bible nous encourage. So the Bible encourages us. Dans le ministère que nous avons donc en Christ. In the ministry we have in Christ. En tant que frères. As brothers. Tout comme il était demandé au peuple d'avoir une pureté dans le camp. The same way it was asked to the people to have a purity in the camp. En tant que le camp. As the camp. En tant que l'église du Seigneur. As the church of the Lord. Il est donc très important. So it's very important. Que nous puissions donc apparaître le plus irréprochable possible. That we should be blameless. Afin que les païens. So that Gentiles. Et que quiconque est un frère qui est fragile dans la foi. So that pagans and a brother who is fragile in faith. Ne puissent pas trouver en nous une source et une occasion de chute. Should not find in us a source or a stumbling block. C'est pour ça que la Bible nous dit. That's why the Bible tells us. Et nous allons lire ensemble notre texte. Du verset 3 au verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Amen. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. La Bible nous encourage donc à ne pas être un sujet de scandale. The Bible encourages us not to be a stumbling block. Oh, un scandale. What does it mean? C'est quelque chose qui vient fragiliser la foi de quelqu'un qui est en train de nous regarder. A stumbling block is something who's come to fragilize the faith of someone who is watching us. Un scandale c'est quelque chose qui donne matière à reprocher quelque. C'est-à-dire des éléments et des choses à Dieu et à l'Église. It's something which gives reproach to God and the church. Or, la Bible nous encourage à ne point être un objet de scandale, en quoi que ce soit. And the Bible encourages us not to be a stumbling block for any in anything. Pour que le ministère que nous menons soit sans blâme. So that the ministry we are rendering should be blameless. Et ce n'est que si nous sommes revêtus de cette couverture de sanctification. And it's only if we clothed that cloth of sanctification. Que nous sommes donc recommandables. That we are recommendable. En tant que serviteurs de Dieu. As servants of God. Or nous sommes tous des serviteurs de Dieu. We are all servants of God. Du moment où nous avons été et appelés par le Seigneur. Directly when we are called by the Lord. Et nous avons donc vu que personne n'était pris pour être laissé en marge des différentes bannières. And no one was left aside. Of the banners. Oh, chaque bannière avait son rôle et son importance. Each banner has its role and importance. Mais par beaucoup de patience et de tribulations. By patient enduring troubles. Dans les calamités et dans la détresse. In hardship and difficulties. Donc ça veut dire que nous allons être exposés à des difficultés. It means that we're gonna be exposed in difficulties. Mais nous avons besoin de faire preuve de patience. But we have to be patient. We have de to supporter endure. Des tribulations. We have to endure troubles. Et d'éviter donc, et nous serons également dans les calamités. And we're gonna be in calamities. Et dans la détresse. And in distress. Mais nous devons pouvoir tenir ferme. But we have to stand still. Pour faire honneur au Seigneur qui a payé un prix lourd pour nous. In order to honor God who paid a great price for us. Et c'est ma prière à l'endroit de chacun d'entre nous and ce soir. And it's my prayer for every one of us this evening. Je vais également nous encourager. I would like to encourage comme us. Comme le Seigneur peut nous le dire dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 9 à 10. As the Lord can say in 1 Corinthians 5 from verse 9 to 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc Dieu établit bien la différence entre les hommes, le païen et le mondain qui se conduit mal.
So the Lord is establishing the difference between the pagan and the same one who behaves well. Et avec le frère qui se conduit également mal. With the brother who behaves wrongly. Et le frère qui a mauvaise conduite. And the brother who have a bad conduct. La Bible nous encourage ne pas avoir des relations avec eux. The Bible is asking us not to have any relation with them. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes plus frères? Does it mean we are no more brethren? Notre position fraternelle spirituelle nous oblige à être frères. Our brotherhood obliges us to be brothers. Si du moins le frère est frère. If only the brother is a brother. Et que nous n'avons pas affaire à un faux frère. And then we are not talking with a false brother. Mais si il est réellement frère. If he's really a brother. Et que il a des mauvaises conduites. And that he has a bad conduct. La Bible nous encourage de ne pas avoir des relations particulières avec lui. The Bible asks us not to have a particular relation with afin him. Afin que nous ne soyons pas confondus. So that we should not be confused. We should not be taken as him. Ou que nous ne soyons pas emportés. Or we should not be taken away. Parce que la Bible est claire. Because the Bible is clear. Et l'Écriture nous dit. And the scripture says. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Corinthiens 15, verset 33. 1, 2 et 3. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible nous dit. The Bible tells us. Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bad companions ruin good character. La Bible te dit que ne te trompe pas. The Bible says, don't fool yourself. Que ne commence pas, ne continue pas de marcher avec un frère qui se conduit mal. Don't continue walking with a brother who behaves wrong. C'est-à-dire qu'en disant que je vais marcher à côté de lui et je vais le changer. Say I will walk with him and change him. Ce sont les écritures qui changent quelqu'un. The scriptures are the one to change somebody. Et il a besoin d'être changé pendant qu'il vient s'asseoir pour écouter la parole à même titre que toi. He will be changed while listening to the word. Like ce ne sont pas tes conseils en aparté qui vont le changer nécessairement. It's not your advice that will change him. C'est la parole qui est le premier instrument qui travaille à ce changement. The word is the one working for that. Alors, à force de marcher avec un tel individu. While you are working with such individual. Parfois, les gens pensent que c'est un slogan du monde. Non. Some at times people think that it's just a slogan. C'est biblique. It's biblical. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bad companions ruin good characters. C'est-à-dire que quelqu'un est de bonne moralité. It means someone has good morality. À force de marcher avec quelqu'un qui est de mauvaise moralité. While working with someone who de has mauvaise conduite. Evil morality. De mauvaise attitude. Bad behaviors. Quelqu'un avait dit que qui s'assemble, se lave ensemble. Ça se ressemble, d'accord. Someone donc, said people who join together look qui alike. Qui s'assemble, se ressemble. So who join together look alike. Alors tu pourras être confondu. So you can be confused. À ce que tu n'es pas. They can take you for what you are not. Si on te voit à certains endroits. If they see you at certain places. Avec certaines personnes. With certain people. On aura l'impression que tu es de leur. They will think that you are the abundant. Sache donc, mon frère, choisis tes compagnons. So my brother, learn how to choose your companions. La Bible dit revenez à vous-même. The Bible says come back to yourself. Comme il est convenable. And come back to your right senses. Et ne péchez point. And stop your sinful ways. Car quelques-uns ne connaissaient pas Dieu. Because I declare your shame. Ou alors ne connaissent pas Dieu autant pour moi. That some of you do not know God. Je le dis à votre honte. I said it to your shame. Et ce serait donc une honte. So it is shameless. De retrouver quelqu'un qui se nomme frère. To find someone who's calling himself. Pourrait donc être dans un ensemble d'attitudes de manière répétitive. Who can find himself in some attitude? La Bible nous dit. The Bible tells us. 2 Timothée chapitre 2 le verset 19. 2 Timothée 2, chapitre 9. Est-ce qu'on peut aller ensemble, s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et la Bible nous dit whosoever named call the name of the Lord shall run away from iniquity. Que le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui tiennent lieu de sceaux. 2 Timothée 2 verse 19. But the solid foundation that God has laid cannot be shaken. Et nous savons que Dieu
est établi dans sa parole. And we know that God is establishing his travaillant word. Avec sa parole. Working with his word. Et faisant tout par sa parole. And doing all by his word. Et il est donc recommandé aux frères. So it is recommended to the brothers. Notamment à la jeune garde qui sont très en avant dans l'évangélisation. Mostly to the young people. Pour une plus grande efficacité. For a good efficacy. Bien aimé dans le Seigneur. Efficiency. La Bible nous dit. The Bible tells us. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La Bible nous encourage à fuir les passions de la jeunesse. The Bible encourages us to run away from the youth passions. Or, nous savons que le jeune est quelqu'un de très passionné. And we know that young people are so much passionate. Et il est généralement passionné par tout ce qu'il aime. And they are so much passionate with all. Celui qui aime le foot est passionné de foot. The person who loves football is so much passionate about football. Peu importe ce que tu aimes, la passion généralement dans la jeunesse t'emporte. Whatever you love, the passion. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous recommande à fuir les passions de la jeunesse. That's why the apostle Paul is asking us to avoid the passions of. Mais de rechercher la justice. And to strive for righteousness. Celui qui va aimer quelque chose que ce soit. Someone who will love something. Il va être emporté par ces passions-là. He will be taken away by those. Mais nous, nous avons plutôt besoin d'être emporté par la justice. But we have to be strive for righteousness. Par la foi. Faith. Par la charité. Love. Et par la paix. And peace. En nous rassurant. And sharing ourselves. Du type de compagnie. With those companions que nous allons nous faire. That we will have. Parce que les mauvaises compagnies. Because evil companions corrompt les bonnes mœurs. Corrupt good characters. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can someone say amen? Et laisse-moi donc te dire ce soir. So allow me to tell you this. Quand tu vas vouloir sortir de là. When you would like to go out. Quand tu vas vouloir abandonner les passions de la jeunesse. When you would like to abandon the passions. Quand tu vas vouloir abandonner les mauvaises compagnies. When you would like to abandon a on se moquera de toi. They will mock you. On va te faire des reproches. They will report you. On va te traiter de super spirituel. They will treat you as super spiritual. Mais l'écriture te dit ce soir. But the scripture tells you this. Hébreux chapitre 13, le verset 13. Hébreux 13, verse 13. Sortons donc hors du camp. So let's go out of the camp. Il dit sortons donc pour aller à lui hors du camp. So he said we should leave. Let us then go to him outside the camp. En portant son opprobre. And share his shame. Qu'est-ce que ça veut dire porter son opprobre? What does it mean to share his shame? L'opprobre, c'est la honte. Shame means shame. En fait, en anglais, on avait déjà dit shame. Mais en fait, en français, on a pas dit opprobre, mais ça veut dire la honte. So, we say it means shame. L'humiliation. Humiliation. Donc, c'est-à-dire que la disgrâce que tu auras aux yeux de ceux qui te regardaient hier. So that disgrace will have in front of those who were looking at you yesterday. Ils vont te traiter de super spirituel. They will treat you as super spiritual. Mais je vais te poser la question, mon frère. But I would like to ask you, my brother. Si tu n'es pas super spirituel dans la foi, tu es super quoi? If you are not super spiritual in faith, what are you? Donc mon frère, accepte d'être super spirituel. So my brother, accept to be super spiritual. Mais sors du camp. But go out of the camp. Ne reste pas dans le camp. Don't stay in the camp. Mon frère, rapproche-toi du tabernacle. My brother, come near the tabernacle. Pour venir supporter, pour venir recevoir l'instruction et prendre l'image et la coloration du tabernacle. In order to receive the instruction and take the coloration of bien the camp, le Seigneur, beloved in the Lord. Un sauvé est comme le caméléon. A save one is like a chameleon. Et le caméléon prend généralement la coloration de ce qu'il regarde. And the chameleon takes the color, the nature of what it looks. Parce que si tu regardes, si tes regards sont braqués sur le camp. Because if your eyes are focused on the camp. Tu vas prendre la coloration du camp. You will get the color of the camp. Mais si tes regards sont braqués en direction du tabernacle. But if your looks are directly to the tabernacle. Et ce tabernacle qui est au milieu du camp. And that tabernacle which is in the middle of the camp. Ce tabernacle qui est le Seigneur. That tabernacle which is the qui Lord. Qui est sa parole. Which is his word.
white. Alors tu prendras la coloration du tabernacle. So you will take the color of the tabernacle. Est-ce que tu peux me dire amen? Can you tell me amen? Donc bien aimé dans le Seigneur. So beloved in the Lord. Je vais te dire. I would like to tell you. Quand le camp s'est rassemblé. When the camp used to join. 2 millions, 3 millions, 4 millions, voire plus. 2 millions, 3 millions, 4 millions, at times de more. De personnes qui se rassemblent dans un endroit. Of people gathering at the same place. La population actuelle de Yaoundé n'atteint pas 4 millions. The population of Yaoundé is not beyond 4 million. Ça veut donc dire que le camp avait une dimension semblable à une ville comme celle de Yaoundé. That means the camp had the dimensions of a town like Yaoundé. La seule différence, c'est que les maisons n'étaient pas trop peuplées, c'est-à-dire n'étaient pas étendues. So the only difference is that the house were closed. Mais elles étaient rassemblées à certains endroits. They were gathered at places. Donc ça veut dire que le camp était quelque chose d'extrêmement immense. It means the camp was so big. Et que quand le camp s'établissait, and when the camp was establishing, il était possible, it was possible que quelqu'un puisse s'établir dans le camp. That someone get established in the camp. Si le camp fait 6 mois, if the camp is for 6 months, si le camp fait 1 an, if the camp is for 1 year, il fait 1 an à l'intérieur du camp. Ouais. He won't spend. It was impossible for him to spend 1 month first. Et 1 year far away. Je ne sais pas. Camp. Le camp était capable de s'établir sur plusieurs kilomètres. So the camp could be from in many kilometers. Alors, dans le camp là-bas. So in that camp. C'est là-bas qu'on vendait les éléments pour le marché. That's where they used to sell food. C'est dans le camp qu'on vendait les habits. That's where they used to sell dresses, clothes. C'est dans le camp qu'on faisait tout ce qui est humain et quotidien. They used to sell all what was human and daily. Ça veut donc dire que quelqu'un pouvait aisément vivre dans le camp. It means someone could easily live in the camp. Pendant 1 mois. For 1 month. 2 mois. 2 months. 3 mois. 3 months. 4, 5, 6. 1 an. 6, 1 year. Sans se rapprocher du tabernacle. Without coming close to the tabernacle. Oh, c'est au niveau du tabernacle que se recevait l'instruction. Meanwhile, it is in the tabernacle that everybody was receiving instructions. Et le tabernacle, c'est-à-dire que l'instruction se recevait au tabernacle par qui de droit? And there was one person who had the right to give instruction in the tabernacle. Ce n'est pas tout le monde qui instruisait. It's not everybody who gives instructions. Mais il y avait tout autour du tabernacle. But we had around the tabernacle. Des sacrificateurs qui étaient responsables de l'instruction du peuple. Priests that were responsible for the instruction of the people. Mais je vais vous poser la question. But I would like to ask you a question. Vous pensez que dans le camp il n'y avait pas aussi des prédicateurs? Do you think that in the camp we did not have preachers? Donc chaque le camp aussi avait ses prédicateurs. The camp had its preachers. Ses enseignants. Its teachers. Ses penseurs. Its thinkers. Et puis ses recommandeurs. And its recommendators. Donc ça veut donc dire qu'un homme qui habitait dans le camp. It means that someone who was living in the camp. Pouvait donc se retrouver balloté entre deux choses. Could find himself shaking between two things. Entre la prédication du camp. Between the preaching of the camp. Et la prédication du tabernacle. And the preaching of the tabernacle. Or, étant dans le camp. Meanwhile, being in the camp. Ton prédicateur pouvait être ton pourvoyeur financier. Your preacher could be your provider, your financial provider. Et quand tu commences à vouloir écouter l'instruction qui vient du tabernacle. And when you start listening to the instruction coming from the tabernacle. Il commence à menacer ton portefeuille. He will start to, threatening your money. Et quand tu te rends compte que ton portefeuille est menacé, and when you realize that you are threatened, tu tournes le dos au tabernacle. You will turn your back to the tabernacle. Pour continuer de recevoir ton instruction dans le camp. In order to receive instruction from the camp. C'est pour ça que la Bible te dit. That's why the Bible tells you. Tu vas devoir porter ton opprobre. You will carry your shame. Si tu veux sortir du camp. If you want to live out of the camp, il y a des choses que tu vas devoir supporter. There are things that you will support, you will bear. You have to endure. Pour que tu sois capable de sortir du camp. For you to be capable to live, to get out of et the camp. Dans le camp. Why being in the camp? Quand tu vas expliquer que je m'en vais vers le tabernacle. When you will explain that I'm going towards the tabernacle. Est-ce que vous ne partez venez pas aussi avec moi? Are you not coming with me? On va te demander que c'est ton église toi seul. They will ask you, is it your church alone? Tu veux trop montrer quoi aux gens? What do you want to show to people? On va te faire une prédication. They will preach to you. Pour que tu restes avec eux dans le camp. For you to stay with them in the camp. Mais
La Bible nous dit, but the Bible tells us, que nous devons sortir du camp. That we have to go out of the camp. Pendant que tu vas tourner le dos pour aller en direction du tabernacle. When you will turn your back to lead yourself to the tabernacle. On va te rire. They will mock you. Se moquer de toi. They will laugh at you. Mais seulement tu devrais pouvoir continuer de marcher. But only you have to go forward. En acceptant les humiliations. Accepting humiliations. Les moqueries. Accepting mockeries. Et le pot. Accepting shame. Pour aller en direction du tabernacle. In order to go to the direction of the Ou tabernacle. Suivre les instructions qui viennent du in tabernacle. Order to follow the instructions coming from the tabernacle. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Permettez-moi donc de vous dire. Permit me to tell you. Que la vie dans le camp n'est pas facile. That life in the camp is not easy. Parce que dans le camp. Because in the camp. Il y a beaucoup de choses qui entrent. La bonne marche. We have many things that disturb. Beaucoup de choses qui aggravent la communion. We have many things that are obstacles to fellowship. Dans le camp. In the camp. Il y a les murmures. We have murmuring. Dans le camp. In the camp. Il y a les pièges et les piégeurs. We have traps and those who set traps. Dans le camp. In the camp. Il y a les plaintes. We have a complaint. Dans le camp. In the camp, il y a la convoitise. We have convoitousness. Dans le camp, in the camp, la jalousie et la médisance. We have jealousy and gossip. Il y a l'incrédulité dans le camp. We have unbelievers. Il y a l'orgueil et la rébellion dans le camp. We have a pride and rebellion. Il y a la soif dans le camp. We have thirst in the camp. Voilà les choses qui minent l'ambiance et la vie dans le camp. These are obstacles in the life in the camp. Oh, rester en permanence dans le camp. So living permanently in the camp. C'est se condamner à devoir subir et vivre ces choses en permanence. It condemns yourself and facing those things every day. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Meanwhile, beloved in the Lord. Nous allons donc parler ensemble des petites choses qui entravent la vie dans le camp. We are going to talk about those obstacles in the life of the camp. Vous savez, à un certain moment. So, at a certain moment. Plusieurs personnes peuvent perdre la joie et la paix qu'ils ont en Christ. Many people can lose the joy they have in Christ. Et entrer donc dans ce problème que nous venons de citer là tout de suite. And enter in what we just named. Et ça devient dommage. And it becomes sorry. Et ils n'arrivent plus à apprécier et à accepter la, c'est-à-dire la véritable paix qui vient de Dieu. They can no more appreciate the good peace coming from God. Et le proverbe nous dit. And proverb tells us. Tous les jours du malheur sont mauvais. All the days of the wicked are bad. Mais le cœur content est un festin perpétuel. But a joyful heart is a continual feast. Je m'en vais t'inviter à te rappeler. So I want you to remember Proverbs 15 verse 15. Les premiers jours de ton salut. The first days of your salvation. Rappelle-toi de la joie que tu avais. Remember the joy you had. Le bonheur qui était le tien. The joy that was yours. Rien n'était important à tes yeux. Nothing was important in your eyes. Peu importe les plaintes que les gens pouvaient t'amener. Whatever the complaints that people could bring. Tu leur disais le salut est là, mon frère. You were telling them salvation is there, my brother. Tout ça, ce n'est pas important. All this is not important. Dieu a déjà fait ce qui est le plus important. The Lord has already done what is Cette important. Cette joie était présente en toi. That joy was present in you. Mais quand tu entres dans le camp. But when you get into the camp, la cohabitation avec les individus qu'il y a dans le camp, cohabitation with individuals in the camp, les mauvaises compagnies du camp, bad companies of the camp, c'est-à-dire que les prédicateurs du camp, the preachers of the camp, vont te prêcher perpétuellement et tellement longtemps. We preach you perpetually and que tu finis par perdre la paix et la joie que tu as éprouvé pendant les premiers jours de ton salut. That you will lose the joy you felt for the first day of your salvation. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. That's why, beloved in the Lord. Je veux t'inviter ce soir à te souvenir de ce beau jour. I want to invite you to remember that beautiful day. C'est pour ça que bien-aimé dans le Seigneur. That's why, beloved in the on Lord. On encourage les frères à revenir perpétuellement au séminaire. We encourage brothers to always come back to the seminar. Pourquoi on demande aux frères de venir au séminaire? Why are we asking them to come back to seminar? Chaque fois que tu écoutes la rédemption. Because each time you listen to redemption. Et que tu réécoutes ces paroles. And then you re-listen to those words. Qui t'ont engendré. Which gave birth et to you. Et tu as le bonheur d'assister à la naissance de quelqu'un. And you have the joy to assist to the birth of someone. Ça ravive ce beau, ça te ramène à ce souvenir Amen. De ce beau jour. It gives you that joy. You remember the joy you had the first day. Et tu réoublies tout ce qui t'amène. And you forget all what disturbs you.
et cette joie redevient vivace en toi. And that joy becomes so strong in you, lively. Mais le malheur souvent c'est quoi? But what is unfortunate? On repart encore dans le camp. Is that we go back to the camp? Et on va retrouver nos prédicateurs. We go and meet our preachers. Nos murmureurs. Our murmurers. Nos piégeurs. Our set trap setters. Et ils nous replongent dans cette histoire. And sink us again in those things. C'est pour ça que revenir s'asseoir pour écouter la parole n'est pas une option pour sauver. That's why coming to listen to the word of God is not optional for us. Parce que c'est la parole qui a la capacité. Because it's the word that has the capacity. De pouvoir détourner notre regard et notre cœur. To turn away our eyes and our hearts. Des murmures et des convoitises que le camp a semé en nous. From covetousness and murmuring that camp. Rest in us. Laissez-moi parler un peu du murmure et de leur champ d'application afin des entraves de la bonne communion dans le camp. So allow me to talk about the obstacles of good fellowship. Je suis heureux, bien-aimé dans le Seigneur. I am happy, beloved. Parce que je me rends compte que la parole de Dieu est complète et elle est vraie. Because I realize that the word of God is complete and true. Dieu a tout dit. Seen everything in the scriptures. C'est seulement parce que nous n'avons pas souvent la possibilité de lire attentivement. It's because we don't have the possibility to read attentively. Que nous ne nous rendons pas compte que Dieu a tout dit. That we don't realize that God said everything. Bien-aimé dans le Seigneur, même ce dans quoi tu es actuellement, Dieu a dit ça dans les Écritures. Beloved in the Lord, even in what you are into now, the Lord has already said it in the Scriptures. Il a dit le moyen que tu parles, lequel tu dois en sortir. He even gave the way to through which you have to live. Mais il a aussi dit quel sera ta crainte dans le cas où tu restais à l'intérieur. And he even said what will be your end when if you stay in time. Disons un petit mot sur les plaintes. Let's say something concerning complaints. La Bible nous dit. The Bible tells us. Est-ce qu'on peut lire ensemble, je vous en prie, Philippiens 4, le verset 11 à 14. Est-ce qu'on peut aller, un de toi? Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tant que partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je suis tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. L'Écriture nous dit, the scripture tells us, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. It's not because of my need that I say. Et ce qui m'intéresse, and what interests me? C'est la petite expression. It's a little expression. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. I have learned to be satisfied with what I have. Le plus grand bonheur que Dieu peut accorder à un frère. The greatest joy that God can give to a brother. C'est de lui donner le contentement. Is to give him contentment. Si Dieu te donne le contentement, mon frère. If God gives you to contentment. Tu es quelqu'un d'heureux. You are a happy person. Mais si Dieu ne te donne pas le contentement, if God doesn't give that to you, tu es un gars malheureux dans la foi. You are miserable in faith. Ayant une espérance dans la vie éternelle, mais étant aigri dans la famille. Having hope for eternal life, then be. Parce que tu vas revendiquer des choses qui ne te sont pas destinées. Because you are going to revendicate what is not for you. Parce que tu vas vouloir des choses qui ne sont pas encore pour toi, quand même bien, peut-être dans le futur, ce sera le cas. You will want to have things that are not yet for you. Maybe you are going to have them in the future. Mais la Bible nous dit. But the Bible tells us. Je sais vivre dans l'humiliation. I know how to live in humiliation. Non, je veux que vous compreniez. I want you to listen. Il y a une manière de vivre dans l'humiliation. There is a way of living in humiliation. Je veux mieux dire. I would like to say that. Il y a un savoir vivre dans l'humiliation. There is a knowing how to live in humiliation. Tu n'es rien. You are nothing. Tu es même rabaissé. You are even mais tu sais mocked. Comment te conduire à l'intérieur. But you know how to live within. Je sais. I know. C'est savoir. Is to know. Vivre dans l'humiliation. Living in humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. I know how to live in abundance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'abondance. There are people who can be in abundance. Mais dans leur moment d'abondance. But in their periods of abundance. Ils ne savent pas se conduire à l'intérieur. They don't know how to behave with inside. Mais il faut savoir vivre dans l'abondance. But you need to learn how to know in abundance. Parce que la vie de toute personne qui est sauvée.
Because the life of each person which is saved est une fluctuation de deux types de sources que nous allons raconter. It's a fluctuation of two types of sources that we encounter. Nous aurons d'abord le désert qui est permanent. We are going to have the desert which is permanent. Nous aurons des sources d'eau de Mara. And we are going to have the sources of que Mara's water. Si nous savons nous conduire à l'intérieur, and if we know how to behave inside, l'eau pourra devenir douce à boire. Water will be softened to drink. Et il y aura également des sources d'eau de lime. And we're gonna have a source of. Et si nous savons nous conduire dans ces sources d'eau de lime, and if we know how to behave, il pourrait être possible que le jour de mon Mara, que quelqu'un se souvienne que le gars à Elim, il s'était conduit de la bonne manière. It could be possible that during my days of war, somebody would say, if Elim, this how this person was behaving. Paul dit, Paul said, en tout et partout, in all and everywhere, j'ai appris. I learned. Dis avec moi, appris. Appris. Ça veut dire que ça s'apprend. It means you have to learn. J'ai appris à être rassasié. I learned how to be full. Donc il y a on doit pouvoir apprendre comment nous conduire quand nous sommes rassasiés. We need to learn how to behave. Ça s'apprend bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas inné. You don't acquire that, it is taught. Même Paul a appris. Even Paul learned. À être rassasié et à avoir faim. In order to be full and even to be hungry. Tu as faim. You are hungry. Mais ça ne devient pas l'objet d'une plainte internationale. But it should not be an international complaint. Pour que le frère depuis la Mauritanie jusqu'à au Swaziland soit au courant que tu as faim. So that the brother in Mauritania or Swaziland should be aware that you did. Nous devons pouvoir apprendre. We need to learn how. À avoir faim. Do we need to learn to be hungry? Et apprendre à être rassasié. Learn to be belly full. Bien aimé dans le Seigneur, à être dans l'abondance et dans la disette et que cela ne se voie pas. To be in abundance and poverty without that to be seen. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Et au cas où quelqu'un vient à venir vous aider dans votre détresse, que vous rendiez grâce à Dieu. And if someone comes and help you in your distress, let you give glory to Mais God. Que ce ne soit pas établi comme une obligation. But it should not be established as a must. Laissez-moi aller un peu rapidement. Allow me to go. Pour dire ceci. To say this. La Bible nous dit. The Bible tells. Est-ce qu'on peut aller ensemble, s'il vous plaît? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. 1 Timothée 6:6, Hébreux 13:5. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. It is a great source of gain to live in. Beaucoup de personnes sont malheureuses dans la foi. Many people are unhappy in faith. Parce qu'elles se sont mises à espérer que tel va me faire ceci, tel va me donner ceci, tel va m'élever à tel endroit. Because they are hoping a lot from people. Peut-être même que c'était une promesse de la personne. Maybe it was the promise of the person. Mais comme le monde a dit qu'une promesse est un droit, ce n'est pas un verset biblique. But the word says a promise is a must. Chacun d'entre nous va recevoir ce que Dieu a prévu que nous allons avoir. Each of us will receive what God says we will receive. Ça veut dire que si je te fais une promesse qui ne fait pas partie du projet de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. It means if I make a promise which is not in God's in God's ways, it will not come to pass. Mais que je t'ai fait ou non une promesse. Let me make you a promise or not. Si c'est prévu dans le programme de Dieu. If it is in the program of God. Même si c'est comment la chose va finir par venir te trouver où tu seras. Whatever the case, the thing will come in to pass. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais pourquoi nous sommes malheureux? But why are we unfortunate? C'est que nous regardons avec les yeux. Because we look with mere eyes. Et nous commençons à attendre ce que nos yeux veulent. And we want to see what our eyes want. Et quand ça ne se produit pas et ça ne s'accomplit pas comme nous souhaitions. When it doesn't come to pass the way we need. Nous devenons aigris. We become so. Et quand on ne sait pas vivre dans le contentement. And when we don't know dans la disette et dans l'humiliation. In satisfaction and in humiliation. C'est-à-dire qu'on se lève dans les plaintes et ça devient n'importe quoi. We rest in complaint and it becomes all type. On commence à avoir des problèmes dans la famille. We start having problems in the family. Et quand je parle de la famille, ce sont les deux familles. When I'm talking about family, I'm talking about the. Soit dans la famille sur le plan séculier. When I'm talking about the family.
carnal family. Mais et même si dans le, au niveau de la famille spirituelle. Even in the spiritual family. Mais la Bible nous dit. But the Bible tells us. Contentez-vous de ce que vous avez. Be satisfied with what you have. Parce que Dieu lui-même. Because God himself. Comme il a dit qu'il ne te délaisserait point. The same way he said he will not. Il ne t'abandonnerait point. He will not forsake. Si toi et moi nous sommes non d'accord que Dieu ne t'a jamais abandonné. So if you agree with me that God has never forsaken. Parce que ce n'est pas possible si tu es sauvé. Because it's not possible if you are. Ça veut donc dire que la condition que tu as actuellement c'est la condition que Dieu a prévue pour toi. It means that the condition you have now is the condition God has prepared for you. Apprends donc à être content de l'état dans lequel tu te trouves. So learn how to accept. Sinon tu seras choqué pour rien. If not, you will be shocked for nothing. Laisse-moi te parler de la convoitise dans le camp. So let me talk about covetousness in the camp. La Bible nous dit. The Bible tells us. Nombre 20, chapitre 21, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2 et 3. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avait fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Can you realize? Que ce peuple est en train d'insulter la manne qu'ils ont bénie dans les premiers jours et dit que c'était un gâteau de lait et de miel. That these people are cursing the manna they received the first days. They said it was a cake of honey and milk. C'est ça qu'ils appellent aujourd'hui misérable nourriture. Now they say it's a miserable meal. Dans les premiers jours de ton salut. So during the first days of your salvation. Tu as dit qu'il n'y a même pas une parole qui ressemble à la parole. You said there is no word looking like as this word. Je n'ai jamais entendu pareille chose. I have never heard something as such. C'est la plus bonne des paroles qui existent. It is the best words which exist. Ton âme en était réjouie. Your soul was rejoiced. Mais aujourd'hui. But today, quelques temps plus tard, few moments later, cette même parole est devenue une misérable nourriture. This same word is a miserable meal. Elle seule ne te suffit plus. Her alone is no more sufficient for you. Il faut ajouter à cette parole l'aisance, le bien-être matériel. You want to add to this word physical material. Il faut ajouter à cette parole tes projets et ton, ça dit que ton projet d'ascension. You want to add to this word your project of race. La parole à elle seule ne suffit plus. The word is no more sufficient. Et au point où ils sont arrivés à regretter leur passage, c'est-à-dire leur départ d'Égypte. They even came to regret their outing of Egypt. La Bible nous dit qu'ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. The Bible said they spoke against God and Moses. Oh. Meanwhile. Ils n'ont jamais dit que l'Éternel nous a mal fait ceci. They never said the Lord did this wrong to mais us. Ils ont toujours dit, Moïse nous a mal fait ceci. But they said Moses did wrong Moïse to us. Et Aaron nous ont mal fait Moses ceci. And Aaron did wrong to us. Ils se sont retrouvés en train de critiquer les leaders. So they criticized leaders. Et ça, ce sont des attitudes quotidiennes dans le camp. And these are regular activities in the camp. Laissez-moi vous montrer ceci. Allow me to show you this. La Bible nous dit. The Bible tells us que un jour il va arriver que Dieu va faire descendre l'esprit sur un certain nombre de personnes dans le camp. That one day the Lord will make the spirit fall in certain people in the camp. Et je m'en vais lire une petite portion pour vous dans Nombre chapitre 11 à partir du verset 25 à 29. Allow me to read a certain portion, Numbers 11 from 25 to 29. Mais pour essayer de nous résumer. But to make a resume, ça dit, la Bible dit, il prit l'esprit qui était sur lui et il le remit sur 70 anciens. He took some of the spirit he had given to Moses and gave it to the 70 leaders. Quand Moïse va déposer son esprit sur 70 anciens, when the spirit came on them, ils vont se mettre à prophétiser. They began to shout like prophets. Or, il y avait donc deux hommes qui étaient dans le camp. So two of the servants were in the camp. Elad et Medad. Elad and Medad. Ils vont commencer aussi à prophétiser étant dans le camp. They will start prophesizing being in the camp. Et Moïse et Josué va donc venir rapporter à Moïse. So Joshua will come and tell to Moses. Qu'il y a Elad et Medad qui sont en train de prophétiser dans le camp. There is Elad and Medad prophesizing in the camp. Ils prophétisent dans le camp Moïse. They are prophesizing in the camp Moses. Il faut donc leur dire d'arrêter de prophétiser. Ask them to stop prophesizing. Mais Moïse va dire à Josué. Moses will tell Joshua. Il dit au verset 29. He said in verse 29. Moïse lui répondit. Moses answered. Es-tu jaloux pour moi?
Are you concerned about my interest? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. I wish that the Lord would give his spirit to all his people. Et veille à mettre son esprit sur eux. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. And make all of them shout like prophets. Josué est inquiet. So Joshua was disturbed. De ce que si Moïse prophétise avec les anciens ici au niveau du tabernacle. Joshua was disturbed that if Moses prophesied with elders here in the tabernacle. Et Elad et Melad sont en train de prophétiser dans le camp. And Elad and Melad are prophesizing in the camp. Ça risque de donner deux sons de cloche dissonants. It will give different sounds of the bell. Et détourner les, c'est-à-dire que le peuple du regard de, en direction du tabernacle et de le garder dans le camp. And will take the eyes of people astray from the tabernacle. Et il vient demander à Moïse que dis-leur de se calmer. So he told Moses, ask them to keep calm. Non, Moïse va leur dire que pourquoi tu es jaloux pour moi? Ne sois pas jaloux. And Moses said, are you concerned about me? Don't be. Si Dieu les a fait prophétiser, qui prophétise? If God allowed them to prophesy, let them prophesy. Pourquoi tu t'inquiètes? Why are you concerned? Moi, je souhaiterais même que tout le peuple devienne prophète. I wish all the people could prophesy. Et la vérité, c'est que aujourd'hui tout le peuple est devenu prophète. And the truth is that today all the people are prophets. Nous sommes aujourd'hui un royaume de c'est-à-dire que de prêtres sacrificateurs. We are a people of priests. Et nous avons la possibilité de parler tous de la part de we Dieu. We have the possibility to talk from God. Mais est-ce que nous avons tous la capacité de parler de la part de Dieu? Is it because we have all of us the capacity to talk about from God? Ça avait brisé les chaînes que Dieu avait mis. Has it broken the stairs that God placed? Ou ça brise l'ordre que Dieu a établi dans son église? Or it will break the order God established in his church? Ou dans le camp qui est ici? Or in the camp here? No, beloved in the Lord. Nous parlons tous dans la pour la, de la part de Dieu. We talk all from God. Chacun dans sa manière. Each of us chacun in dans his son way, couloir. In his corridor. Mais cela ne détruit pas l'ordre qui a été établi par Dieu. But it doesn't destroy the order that God has established in the church. Et il ne faut donc pas que notre zèle nous amène à déborder de ce que la Bible, les Écritures n'ont pas autorisé. So our zeal should not bring us out of what the Scripture has not authorized. Et comment se retrouver sous le coup de cet avertissement ou alors de cette parole de Paul? And we should not find ourselves in this word of Paul. Philippiens chapitre 1 verset 15. Philippiens chapitre 1 verset 15. Lis avec moi s'il vous plaît. Un de toi. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Quelqu'un peut donc se retrouver en train de prêcher Christ par envie et par esprit de dispute. It means someone can be preaching Christ by envy and spirit of fight dispute. Pendant que d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Meanwhile, others will preach with good dispositions. Mais j'aime les Écritures. I love scriptures. Parce que la Bible nous dit. Because the Bible tells us. Est-ce qu'on peut lire le verset 16 à 17 ensemble, je vous en prie. Un, deux, trois. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annonce que ce pas les motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de la suscité quelques tribulations dans les liens. Ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes. There are those who preach God with agissent par amour. These do so from love. Sachant et reconnaître ceux qui sont établis pour la défense de l'Évangile. Because they know that God has given me the work of defending the gospel. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Because God is a God of et order. Et il ne faut pas confondre des fonctionnements anciens avec l'Église. And you should not confuse the old ways with the church. L'Église n'a pas vocation à être divisée. The church has no vocation to be divided. L'Église est un corps. The church is a body. Or, un corps ne peut pas être divisé contre lui-même. And a body cannot be divided. Et cela n'a pas de sens. It is senseless. D'assimiler l'Église avec d'autres divisions qui se sont produites avec certaines personnes ou certaines dans d'autres contextes. Non. Mix the church with some divisions that have taken place. Voilà comment Dieu a fonctionné avec l'Église. This is how God functioned with the church. Quand Dieu avait rejeté une Église. And when God denied a church, il passait le flambeau d'une église à une autre. He will give the fire to, from a church to the mais il n'était pas question d'avoir dans le même temps une église
C'est-à-dire pendant le temps d'une église qu'elle soit divisée les deux travaillant de manière antagoniste. But the two churches could not be divided. Quand l'église a été, quand une église a été rejetée, ou alors, je ne veux même pas parler de rejet, quand l'âge et le temps d'une église étaient terminés, elle passait le flambeau à une autre qui se retrouvait à un autre endroit. When the ark of a church was divided. Mais nous avons au milieu de l'église des conduites qui sont des conduites reprochables. We have in the midst of the church some conducts that are reproachable. Des conduites répréhensibles. That have had to be reproached. Qui peuvent donc être mûs, c'est-à-dire donc des gens peuvent être mûs à cause de leurs désirs. So people can be shaken because of their desires. Et la Bible dit donc. The Bible says. Que tandis que cela anime d'un esprit de dispute. The other do not proclaim Christ sincerely, but from a spirit of selfish ambition. Qu'est-ce qu'ils discutent donc? Je ne sais pas. What are they fighting for? I don't mais, know. Mais de toutes les façons, Christ sera annoncé par eux, mais par des motifs qui ne sont pas purs. They think that, but they will announce Christ, but with good, with wrong passions. Avec la pensée de susciter des tribulations à plusieurs dans les difficultés. They think they will make more trouble for me while I'm in prison. Et bien-aimé dans le Seigneur. And beloved in the Lord. Je veux vous dire. I would like to tell you. On ne se moque pas de Dieu. We don't mock God. Et ce que chacun aura semé. Whatever people, someone will. Il le moissonnera will sow, aussi. He will reap also. Et la Bible nous dit. And the Bible tells us. Celui qui sème pour sa chair. If you plant in the field of your natural de la chair, la corruption. From it you will gather the harvest of death. Mais celui qui sème pour l'esprit. If you plant in the field of the spirit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. From the spirit, you will gather the harvest of eternal life. C'est pour ça que je veux te dire ce soir, mon frère. That's why I would like to tell you today, my brother. Sortons donc hors du camp. Let's leave out of the camp. Ne laissons pas les conduites et les attitudes du camp. Let's go out of the camp. Let's not allow the attitude of the camp. Prendre le pas sur nous. Taking, be leading us. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous ne laissons pas de faire le bien. We should not stop doing good. Car nous moissonnerons au temps convenable. Because we're gonna reap at the convenient moment. Si nous ne nous relâchons pas. If we don't stop. Ainsi donc. So. Pendant que nous avons l'occasion. So then, as often as we have the chance. Pratiquons le bien envers tous. We should do good to everyone. Et surtout envers les frères. Dans la foi. And especially to those who belong to our family. In vous savez, pour celui qui va prêcher Christ ayant de mauvais motifs. You know, for that person who will preach Christ with wrong desires. L'Écriture dit ceci. The Bible says this. Il n'en demeure pas moins que Christ sera prêché. That Christ will still be preached. Donc Christ lui sera prêché. So Christ will still be preached. Mais celui qui a les mauvais désirs moissonnera en rapport avec l'état d'esprit dans lequel il est. The person with wrong desires will reap. Alors bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Les désirs, les disputes peuvent souvent être le produit de notre désir, c'est-à-dire des volontés, des convoitises que nous avons dans notre cœur. So disputes can be covetousness we have in our heart. Et c'est ce que nous allons observer dans le camp. That's what we will observe. Ils ont méprisé la nourriture qu'ils avaient. They despise the meal they had. La position dans laquelle ils étaient. The position in which they were. L'état dans lequel ils étaient. The state in which they were. Et ils ont désiré autre chose. And they desire something et else. Dans leur désir. And in their desire. Dieu va les exaucer. God will exalt them. Mais il ne va pas les exaucer pour leur faire du bien. But he will not exalt them for their good. C'était en rapport avec le châtiment. It was because he wanted to chastise them. Quelqu'un peut convoiter une position. So at times you can convert. Convoiter quelque chose. You can go to, you can have lots for a position. Convoiter quelqu'un. You can, you have lots for someone. Et finalement Dieu finit par te donner la chose. And God will give you the thing. Mais ce n'est pas pour ton bien. But it's not for your good. Mais c'est pour ta destruction. It is for your destruction. Regardons cet épisode. So let's look at this. Nombre chapitre 11 verset 31 à 32. Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'Éternel fit souffler de la main un vent qui amena les cailles et il les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp, il y avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre.
pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. Celui qui avait ramassé le moins avait 10 homères. Il les étendit pour eux autour du camp. Donc il les étendit pour eux autour du camp. So they spread it round the camp. Bien-aimé dans le Seigneur. Love in the Lord. Quand c'était la manne. When it was the manna. Qui était une, c'est-à-dire une nourriture qui ne venait pas d'eux. Which was a meal not coming from them. Ils ont respecté la mesure qui était commandée par le Seigneur. They respected the measure given by the Lord. Mais quand ils sont arrivés à la manne, c'est-à-dire à la nourriture qui était de leur propre désir, leur propre convoitise. But when they came to the meal who was their own convoitise. Ils ont désiré avoir la viande. They desired to have meat. Ils se rappelaient que quand on était en Égypte assis à côté des pots de viande. They said, when we were in Egypt. L'ancienne gloire. The old glory, oh God. Regarde comment maintenant c'est difficile. Look how it's hard, difficult. Et la Bible nous dit. And the Bible tells us. Dieu va faire souffler un vent. God will bring a wind. Et là, il va envoyer la caille. And he will send meat. J'espère que vous connaissez la caille. I hope you know that c'est une forme, ce sont les poulets du désert. So these are chicken of the desert. Donc quand ces cailles vont arriver, so when la viande, après avoir mangé la manne pendant longtemps, so they will be after eating the manna for long, they will start eating kales. Dieu s'attend donc. So the Bible, God was waiting. Que comme il faisait avec la manne. That's the same way they were doing. Qui tombait tous les jours en grande quantité. Who was falling every day in great et que chacun devait prendre la mesure qui lui convenait afin d'être rassasié pour le jour. And everyone should take the measure who was good for him. Mais pendant deux jours. But for 2 days. Les gars vont passer le temps à aller ramasser les cailles. The people will go and pick the cailles. Remplir la maison. They will fill their home. Jusqu'à ce que la maison est pleine. Till the house will get et ils commencent à ramasser et c'est-à-dire qu'ils vont étendre tout autour du camp. They will start sharing round the camps. De telle sorte que ça commence même à pourrir. So that it started to get rotten. Ça va finir par les rendre eux-mêmes malades. It will even get them sick. Et Dieu est étonné. God was surprised. Ça c'est quel genre d'attitude? What type of attitude is this? C'est-à-dire que ça c'est quel genre de mauvais comportement? What type of bad evil donc c'est comme quelqu'un qui cherche quelque chose. It's like someone who is looking for something. Il veut une position. He wants a position. Finalement, il pense que c'est la position où il faut qu'il soit. Finally, he thinks it's the position he needs. Mais quand il finit par arriver à cette position, once that position is given to him, les débordements dans lesquels tu commences à le trouver. So the things in which you start finding him, tu finis non par comprendre, you will understand that, que en fait ce n'est pas la position où il devait se trouver. That is not even the position that he is supposed to have. Beloved in the Lord. La plupart des personnes qui ont occupé une responsabilité même dans l'église, most of people that had a position in the church, ont été surpris par cette responsabilité, were surprised. L'ont même d'abord refusé. They even refused that responsibility. Mais si tu t'assois et convoites une position, but if you sit and you have lots for a position, ce n'est pas bon pour toi. It is not good for you. Ce n'est pas la bonne position. It is not a good position. Ça veut dire que quand tu vas arriver à cette position, it is when you will get there. Mon frère, tu vas déborder la mesure. My brother, you will overflow. Mais quand c'est une position qui ne vient pas de toi, but when it's not a position coming from you, il y a des chances que tu respectes la mesure. There are lots that you respect. Parce que tu vas te soumettre à celui qui t'aura établi. Because you will submit to the person who established. Mais ici, but here, quand ils auront la viande qu'ils ont demandé, when they will have the meat they requested, ils vont la manger jusqu'à déborder la mesure. They will eat it till overflow. Et la Bible nous dit. And the Bible tells us. Est-ce qu'on peut lire ensemble la suite de cette histoire? Est-ce qu'on peut aller 1, 2, 3? Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâché, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. On donna à ce nom le lieu de Kibbout Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La convoitise. Convoitousness. Ça, ce sont les choses qu'on retrouve dans le camp. These are things we find in the camp. Et je prie le Seigneur pour nous. And I pray the God for us. Afin que nous ne soyons pas emportés par la convoitise. So that we should not be taken by lust. Que nous ne recherchions ce qui ne nous est pas dû. That we should not look for what is not good for us. Parce que c'est ça. Because that. Qui risque d'entraîner plusieurs parmi nous.
will bring many astray. And not a problem, for our own lust. So don't know all you can. So let's get out of the camp. Someone say amen. Laisse-moi te parler un peu de la jalousie dans le camp. Allow me to talk about jealousy in the camp. Dans le chapitre 12 à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il n'avait plus une femme éthiopienne. Ils disaient, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Moïse est établi par Dieu. Moses was established by God. Numbers 12 from 1 to 2. Moïse n'avait pas fait le concours pour ça. Moses did not go for an exam. Oh, a competition. So, but Aaron. Et Marie. And Mary. Qui était supposé être des collaborateurs premiers de Moïse. Who were supposed to be Moses' first collaborators. Ils constatent un égarement de Moïse. They realized that Moses went astray. Selon eux. According to their own analyse. Parce que pour peut-être aller en avance d'abord, la Bible ne nous dit pas que Dieu va condamner cette union que Moïse avait eue une seule fois. The Bible did not say that God would condemn the union Moses had the first time. Pourtant, en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, in reality, beloved in the Lord, c'était défendu à un membre du peuple d'aller prendre une femme étrangère. It was forbidden to to the members of the people to go and take a woman who is a stranger, mostly to leaders. Mais bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, je voudrais qu'on comprenne que c'est Dieu qui regarde le péché. I would like us to know that God is the one looking at sin. Et c'est Dieu qui qualifie le péché. And he's the one qualifying sin. Il y a une histoire qui m'a toujours effrayé dans les Écritures. There is a story which really made me to get c'est scared. C'est l'histoire in the de Esaü et Jacob. Is the history of Esau and Jacob. Avec Rebecca. With Rebecca. Parce que si nous nous devons analyser cette histoire, if we want to analyze that je story, suis sûr que toi et moi nous sortirons de là avec un jugement. I'm sure that we are going to live here with a judgment. Qui n'est pas le jugement de Dieu. Which is not the judgment of God. Et Dieu pose la question. And God is asking. Ça dit que pourquoi toi tu es irrité contre Jacob alors que Dieu n'est pas irrité contre toi. Why are you angry against Jacob when God isn't? En tout cas. Anyways. Pour ce qui concerne le cas d'Aaron et de Marie. In what concerns the case of Aaron and Marie. Quand ils vont dire. So when they will say. Puisque il semblerait à leurs yeux que Moïse s'est compromis. So in their eyes, Moses got compromised. Ce n'est pas seulement par lui que Dieu parle. It's not only by him that God Dieu talks. A parlé aussi par nous. God too talks through donc us. Nous allons nous-mêmes reprendre le flambeau de cette affaire. So we too we're gonna take the lead of this pour conduire ça dans toute la pureté. In order to lead it in all purity. Est-ce que Dieu ne parle pas aussi par nous? Is God not talking through us too? Sûrement Dieu parle par nous. Surely God is talking through us. Mais eux-mêmes ils ne vont pas se rendre compte qu'en faisant ça. But they will not realize that why doing that. Et en commençant à murmurer. As by murmuring. Dieu interdisait les murmures au milieu du peuple. God forbid murmuring in the midst of the people. Et même les commérages. Even gossips. Et beaucoup d'autres choses. And many other things. Et je m'en vais donc vous dire. And I would like to tell you. Il y a le proverbe qui nous dit. There is a proverb. Proverbe 26, verset 22. Proverbe 26, verse 22. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Vous savez quand quelqu'un vient vous rapporter un commérage. You know when someone brings gossips. C'est sucré. It's so sweet. Et quand c'est même sur un leader. And when it is on the leader. Quand c'est sur quelqu'un. When it's on que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai. Let it be true. Tu aimes quand on t'explique. You like when they quand on te donne les détails. When they give ça avait encore fait comment? How hein? Et il a encore dit que quoi? What did he say? La Bible dit que les paroles, le rapporteur, ses paroles sont, c'est comme les friandises. Quand tu suces ça fait, ça dit que tout ton palais est like plein de joie. So when you suck them, they are so ça descend jusqu'aux entrailles. So it goes down. Mais bien aimé là, le Seigneur. Down. La Bible nous dit qu'on a besoin de faire attention to your à la langue. But the Bible asks us to be careful with our tongue. La langue est un petit membre. The tongue is a little member. Et elle se vante de grandes choses. But voici comme on great things. Et c'est comme un petit feu. It's like a small fire. Mais qui est capable d'embraser toute une forêt. Which is capable to burn a le whole frère forest. À qui Dieu donne de tenir sa langue en bride.
The brother to whom God gives to hold his tongue. C'est un bon frère. It's a good brother. Mais toi à qui Dieu n'a pas donné de tenir la langue en bride. But you to whom God did not give the chance to hold your tongue. Si tu n'es pas un faux frère. If you are not a fake brother. Tu es un mauvais frère. You are a bad brother. Et ça c'est très dangereux pour la foi. And that's very dangerous for faith. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La langue est parmi nos membres. The tongue is among our members. Souillant tout le corps. Enflammant le cours de la vie. Et elle est enflammée par la géhenne. James chapter 3, verse 5 to 6. Ça veut dire que quand ta langue commence à parler, so when the tongue, your tongue starts to talk, c'est Satan qui est posé dessus. It's Satan who is on it. Si elle est enflammée par la géhenne, if it has the hellfire, the hell itself, c'est le feu de l'enfer. It's the fire of hell. Ça veut dire que Satan est assis sur ta langue. It means that Satan is on your tongue. En train de mal t'utiliser. Using you wrongly. Et beaucoup de frères and many brothers se retrouvent enflammés par la langue. Find themselves. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Bien que Marie et Aaron aient parlé. And Aaron spoke. Quelqu'un m'a posé la question une fois. Someone asked me one day. Mais pourquoi Dieu a puni Marie et il a laissé Aaron? Why did God punish Mary and left Aaron? Marie et Aaron étaient considérés en Israël à ce moment-là comme deux principaux leaders après Moïse. Mary and Israel were considered. Mary and Aaron were considered in Israel as two first leaders after Moses. Et vous vous souvenez que Marie est déclarée prophétesse depuis Exode chapitre 15. And you know that Mary was declared as prophetess Exodus 15. Alors que les autres personnes qui vont commencer à prophétiser, ce sera longtemps après. And the other people who will start prophesizing will be later. Même Aaron, même ce sera un peu plus tard qu'il sera établi sacrificateur. It is Aaron, it will be later that he will be established. Donc Marie a une position de leadership à ce moment au milieu du peuple. So Mary has the position of leadership. Et quand les deux convoitent. And when they start et la manière dont Marie est mise en avant, c'est comme si peut-être c'est même elle qui a influencé Aaron. The way Mary was placed is like she was the one who influenced Aaron. Mais moi je dis ça, je dis rien. I'm saying it, I'm saying nothing. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, quand Dieu frappe Marie de lèpre, so when God struck Mary from Aaron lèpre, tombe à genoux. Aaron fell. Et il est frappé d'une très grande frayeur. And he will be so frightened. Et il se repent de son action. And he repented from his action. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu ne frappe pas un frère. God will not strike a brother. Avec l'intention de le détruire. With the intention of destroying. Dieu frappe un frère pour que ça instruise et le frère et le peuple. God strikes in order to instruct the people and the church. La lèpre de Marie. And the le châtiment de Marie. Because the leper of Mary avait déjà créé la repentance dans le cœur d'Aaron. And the chastisement of Mary created repentance in the heart of Aaron. Nul n'était plus besoin de venir frapper encore Aaron. No more need to come and strike Aaron. Parce que Dieu avait l'intention de l'utiliser par la suite. Because God had the intention of. Et si le châtiment de Marie lui a servi d'instruction et lui a permis de grandir. So if the chastisement of Mary helped him to grow. Et de se repentir de cette voie-là. And to repent from that way. Nul n'était plus besoin de revenir là-dessus. No more need to come back on it. Donc bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous avons parallèlement une histoire similaire dans le livre de Actes chapitre 7 avec Ananias et Sapphira. We have such a story with Ananias and Sapphira after Acts chapter 5. Quand Dieu frappe Ananias et Sapphira, when God struck Ananias le désir de Dieu c'était de semer la crainte dans le cœur du peuple. The desire of God was to bring fear to the, in the heart of the people. Afin que personne ne pense qu'il peut mal se conduire au milieu du peuple impunément. So that people should not think that they could behave anyhow without being punished. Et quand cet objectif a été atteint, and when that goal was le reached, peuple a été saisi de crainte. The people got fear. Et ils ont pu servir Dieu avec crainte et tremblement. And they started serving God with fear and trembling. Il y a des châtiments que Dieu administrera à certains parmi nous. So there are chastisements that God will bring to people. Et quand les autres seront instruits et informés de ça, and when people will be instructed about that, ça va créer une crainte en eux. It will create a fear in them. Et ça les aidera à sortir du camp. And it will help them to leave the camp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, beloved in the Lord, je vous encourage une fois de plus ce soir. I'm encouraging you once more à sortir hors du camp. To leave the camp. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Malheureusement, le temps nous poursuit. Unfortunately, time. Je voudrais quand même parler encore d'une ou deux choses. I would like to talk about two. Je veux te parler de l'incrédulité dans le temps.
talk about ungodliness in the camp. La Bible nous dit the Bible tells us que Moïse envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur fit monter ici par le midi et vous par il a dit monter ici par le midi et vous par la montagne. Vous verrez le pays et ce qui est et le peuple qui y habite. Et il est fort, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou s'il est en grand nombre. Et quel est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Numbers 13, Proverbs 17 to 20. Moïse envoie des gens inspecter le pays de Canaan. So Moses sent people to spy Canaan. Les missionnaires vont. And missionaries went. Et ils inspectent le pays. And they started inspecting the country. Quand ils reviennent de l'inspection, when they came back from the country, voici ce qu'ils vont dire à Moïse. This is what they will tell Moses. Je m'en vais lire pour vous. I will read for you. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y sommes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Or, qui sont ces enfants d'Anak? C'était des géants. Et il dit, au verset 29, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, bref, ils ont donné les positions de chacun des membres dans le peuple. Numbers 13. From verse 27 to 29. So the spy gave the position of all the different clans in the among. La Bible nous dit que le rapport qu'ils vont faire. The Bible says the report that they would do. C'était un rapport de nature à décourager Moïse et le reste du peuple à partir vers Canaan. It was to discourage Moses and the rest of the people to go to Canaan. Et le verset 30 nous dit. Verse 30 says. Caleb fit taire le peuple. Caleb silenced the people. Qui murmurait contre Moïse. Who were complaining against Moses. Il dit. And said. Montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, nous lui dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer, il est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, ce sont des hommes de haute taille, d'une haute taille. Et il dit au verset 33, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à leurs yeux et à nos yeux et au leur comme des souterrains. So Numbers 13, from verse 30 to 33. Donc nous avons des gens. So we have people. Que Dieu a sorti d'Égypte. That God brought out of Egypt. Il a ouvert la mer Rouge. He opened the Red Sea. Et il a battu les rois amoréens devant leurs yeux. He struck the Amorean kings. Fait des choses extraordinaires. He did extraordinary things. Il a fait couler l'eau du rocher d'Horeb. He even opened the rock to la make water flow. La bataille contre Amalek. So they fight against Amalek. En fait, il leur a fait tellement de bien jusqu'ici, les protégeant. So he protected them, doing them a lot of good. Les nourrissant. Nourishing them. Mais quand ils arrivent au pays de Canaan. But when they got to Canaan. Ils explorent le pays, ils voient effectivement que le pays est tel que Dieu avait dit. They explore the country and they saw that the country is exactly as God said. Mais ils estiment. But they tell that. Ils ne peuvent pas gagner. They cannot reach. Les habitants de ce pays. The inhabitants of that country. Parce qu'ils sont à leurs yeux comme des souterrains. Because they are in their eyes as. Ça veut dire que jusqu'ici. They are in their eyes as. Ils ont marché avec Dieu. Because they walk with God. Mais ils ne font toujours pas confiance à Dieu. And but they don't trust God. Ils ne connaissent toujours pas à qui ils ont affaire. They are like grasshoppers. Ils continuent so they de don't compter. Trust God. Ils continuent de compter sur leur propre capacité. They continue counting on their capacities. Au lieu de regarder à Dieu qui peut tout. Without looking at God who is capable of everything. Et c'est ici. And that's here. Que Dieu va sortir la sanction du peuple. That God will strike them.
Je veux que vous compreniez avec moi. I would like to understand you. Que la marche d'Israël. I would like you to understand this with me that the walk with Israel towards Canaan. N'a pas pris 40 ans au départ. Was not for 40 years at the beginning. Ils sont arrivés à Canaan. So they got to Canaan. En très peu de temps. In a few moments. Mais quand ils sont arrivés à l'entrée de Canaan. But when they got in the entrance of Canaan. Ceux qui sont partis explorer le pays. Those who went to spy the country. Ont montré l'incrédulité du peuple tout entier. They show ungodliness of the world people. Et Dieu va donc leur dire. And God will tell them. À cause de ça. Because of that. Parce que vous avez murmuré. Because you murmured. Parce que regardez bien ce qui se passe. Look at what happened. La Bible nous dit. Chapter 14, verse 1. Verset 4, chapitre 14, au verset 1 à 2. Chapter 14, verse 1 to 2. Si vous êtes Dieu, vous allez me dire. If you are God, you will tell me. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. L'Écriture nous dit ceci. The scripture says this. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte, que nous ne sommes pas morts dans ce désert. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Imaginez-vous Moïse dans la nuit. Imagine Moses in the night. Avec Aaron. With Aaron. Et en plein minuit. And at around midnight. On entend des éclats de pleurs. They hear shouts. Whoa, 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 on sort, on croit qu'il y a deuil. They say, whoa, whoa, they thought that there was. Et on croit, quand on vient demander. Someone died, and when they come and ask. C'est que les gars sont en train de dire que Moïse les a amenés pour venir les tuer, pour que les gens viennent les tuer à Canaan. They say, Moses brought them for people to kill them in Canaan. Donc pourquoi ils ne sont pas morts en Égypte? Why did they not die in Egypt? Pourquoi ils ne sont pas morts dans le désert? Why did they not die in the desert? Pour venir mourir entre les mains des Cananéens. To come and die in the hands of the Canaan. Donc ils ne font pas confiance à Dieu qui les conduit. So they don't trust God who is leading them. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Parfois quand nous commençons la marche. At times when we start our walk. Le peuple fait confiance à ses leaders. The people trust their leaders. Mais quand on commence à les envoyer en mission. But when you start sending them to missions. Quand ils commencent à partir, on commence à leur donner des responsabilités. When you start giving them responsibilities. Les premières choses qu'on va voir de la part de certains. The first things we're going to see from them. C'est de se constituer en opposition avec les leaders. Is to become the opponent of the leaders. Ici, ils ont murmuré contre Moïse. Here, they murmur against Moses. Mais seulement Dieu n'a pas considéré que c'était un murmure contre Moïse. But God did not consider that as a murmuring against Moses. The Bible tells us. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays? Numbers 14, verse 3. Why is the Lord taking us into that land? Où nous tomberons par l'épée? Où les femmes, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Que faut-il, ne nous faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? We will be killed in battle, and our wives and children will be captured. Will it be better to go back to Egypt? Il se dit l'un à l'autre. And they said, nommons-nous un chef. To one another, let's choose a leader. Et retournons-nous en Égypte. And let's go back to Egypt. L'histoire se répète. So the history is repeating itself. Il s'est toujours répété. And has always been repeated. Et c'est ce que nous avons vu. Itself. That's pendant what we saw. Tout le cheminement du peuple d'Israël. During all the work of the people of Israel. Et très souvent, ce danger peut nous guetter. And most of the time, that danger can spy us. À un certain moment. Or at a certain moment. Sur le prisme de certaines connaissances et révélations. Under the prism of. Sur la croissance peut-être de notre Saint-Esprit. Under the prism of our growth, our spiritual growth. Par manque de foi en Dieu qui nous conduit. Lack of faith in God who leads us. Généralement, le peuple perd confiance. At times, the people lose hope. Et ils ne regardent pas sa perte de confiance comme étant sa propre infirmité. And they don't look their loss of confidence as their own infirmity. Mais ça devient souvent l'infirmité des autres. It becomes the infirmity of the others. Et à la fin de ça, and at the end of that, ils ont décidé de s'établir un chef. They decided to have their own leaders. Et quelle doit être la direction que le chef doit leur donner? And which direction should the leader give them? C'est de rentrer en arrière. Is to go back.
Et c'est là où on attend souvent. That's what we used to hear. Avant, on faisait ceci. Before we used to do that. Mais maintenant, on a arrêté. But now we stopped. Est-ce que c'était interdit d'arrêter de faire ceci? Was it forbidden to Est-ce stop doing this? Est-ce qu'on ne peut pas recommencer à faire ceci qu'on faisait avant? Could we not do what we used to on do before? On ne peut pas faire comme si tout ce qui était de l'autre côté était mauvais. We cannot do as if all what we used to do before was bad. On se remet à apprécier les activités d'Égypte. So we start appreciating Egypt activities. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je vais peut-être terminer avec cette histoire. I might stop with this story. À cause du temps. Because of time. La Bible nous dit. The Bible tells us. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. The Lord spoke to Moses and Aaron. Et il va leur poser la question. And he will ask them. Jusqu'à quand? Numbers 14 verse 26. Laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Till when will I leave this wicked assembly murmuring against me? Ils savaient qu'ils murmuraient contre Moïse. They knew that they were murmuring against Moses. Moïse n'était qu'un homme. Moses was only a man. Aaron n'était qu'un homme. Aaron was only a man. Mais sauf que quand Dieu établit un homme. But when God establishes si a man. Si Dieu ne veut plus utiliser l'homme. If God no more wants to use the man. C'est Dieu lui-même qui écarte l'homme. God will take the man et Dieu away. A tous les moyens pour écarter un homme. And God has all the means Ce to take a man, the man away. It's not our responsibility. Celui que Dieu a établi. To take away, C'est to put aside the person God has David established. Modèle du chrétien en son temps. That's why David, a modern Christian, a refusé de mettre la main sur Saül. Refused to lay a hand on Saul. Dieu lui-même, il avait le moyen de tuer Saül. Because God has had means to kill Saul. Ça n'avait pas besoin de passer par ma main. He said, "I should not pass through." Ou même celui qui est venu se vanter d'avoir tué Saül pour David. In such a way that even the person who came and boast that he killed Nous connaissons tous quelle a été la sentence qui lui a été donnée. We know how condemned he was. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Nous ne pouvons pas être sauvés. We cannot be saved. Avoir le Saint-Esprit. Having the Holy Spirit. Mais en même temps être aussi incrédule. But being ungodly. De penser que Dieu peut sauver un homme. Thinking that God can save a man. Il sauve un peuple. Save a people. Et il abandonne le peuple à sa propre direction. And abandon the people for their own direction. C'est Dieu qui dirige son peuple. God is the one leading his people. C'est Dieu qui dirige son église. God is the one leading his church. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu va donc dire. God will say. Puisque vous en êtes arrivé à murmurer contre moi. Because you murmur against me. Vous avez fait comme si vous étiez en peine contre les pour les femmes et les enfants. You made as if you were feeling pains for women and kids. Mais ce sont les enfants pour lesquels vous avez été en peine là. But it is because of those children. Parce que plusieurs personnes qui veulent souvent se rebeller à l'autorité. You know, many people want to get rebellious. Ils vont vous dire que ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. They will tell you that it's not because of themselves. C'est à cause du peuple. It's because of the people. C'est à cause du petit là. It's because of that small person. Ce n'est pas eux-mêmes. It is not because of Mais them. Dieu va leur dire. But God will tell them. Pour les enfants. For the kids. Et ils vont survivre. They will survive. Et c'est eux qui hériteront du pays que je vous ai promis. And they will inherit the country I promised. Mais pour ceux qui vous concernent. But in what concerns you? Vous qui avez été dénombrés. You that were counted. Depuis l'âge de 20 ans. Were numbered since aucun d'entre vous. The age of 20. Ne va voir ce pays. None of you will see that country where flows honey and milk. Et au verset 32. And in verse 32. Il dit vos cadavres à vous tomberont dans ce désert. He said your corpse will fall in this wilderness. Vos enfants, vos petits enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Your descendants that you say, I want to make them a prey. I will make them enter in that country you despise. Mais pourquoi vos enfants ne sont pas dans la même situation et dans la même conduite que vous demain? For your kids. And your descendants not to be to conduct themselves the way you did. Vos enfants perdront 40 ans dans le désert. Your descendants will spend 40 years in the desert. Et porteront la peine de vos infidélités. And they will bear the pains of your unfaithfulness. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. Till your corpse fall in the wilderness. C'est à ce moment. It is at that moment. Parce qu'ils avaient fait 40 jours d'exploration. Because they spent 30 days of exploration. Dieu va convertir chacune des journées qu'ils ont fait en exploration en une année. God will convert it each day for a year.
et le peuple va rentrer dans le désert. And the people will go back to their wilderness. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La distance d'Égypte jusqu'à Canaan. The distance between Egypt and Canaan. Même si le peuple faisait 1 mètre par jour de marche. Even the people only did 1 meter per day. Ils seraient arrivés à Canaan avant 5 ans. They would have reached Canaan before 5 years. 40 ans, ce n'était pas la distance qui séparait. 40 years was not because of the distance. 40 ans, c'était le temps que Dieu se débarrasse de tous les hommes de guerre. 40 years was for God to destroy all those men. De tous les imprédus. All those ungodly. Jusqu'à ce que le dernier soit mort. Till the last person dies. Et ne va entrer en Canaan. And will enter Canaan. Que ceux qui, à la date de cette déclaration, only those who, at the date of that declaration, avaient moins de 20 ans, had less than 20 years, excepté Josué, except Joshua, et Caleb, and Caleb, qui n'avaient pas eu la même attitude, who did not have the same attitude, au moment où le peuple murmurait, when the people were murmuring, bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, Dieu a détruit, God destroyed, plus à cause des murmures, more because of murmuring, que à cause de d'autres choses. Than any other thing else. Je veux vous dire. I would like to tell you. Il y a des péchés. There are sins. Qui sont qualifiés de péchés. That are qualified as sins in of the church. Des péchés qui ne causent, c'est-à-dire qui ne font pas partie de la liste des péchés adamiques. The sins which do not belong to the Adamic sins. Par exemple. For example. Quand Dieu dit à quelqu'un. When God tells somebody. Priez sans cesse. Pray without ceasing. Si tu ne pries pas. If you don't pray, tu commets un péché. You commit a sin. Oh, Dieu ne peut pas demander à un mort de prier sans cesse. God cannot ask a dead to pray ceaselessly. Quand Dieu nous dit n'abandonnez pas vos assemblées. When God says you not abandon your assembly. Dieu ne peut pas demander à un mort de ne pas abandonner son. God cannot ask to a dead to not abandon his assembly. Il y a donc des fautes que nous commettrons. So there are faults that we're going to commit. C'est en rapport avec ces fautes que nous serons jugés au tribunal de Christ. It is according to that that we're going to be judged in court of Christ. Et quelqu'un commence à se constituer un adversaire. In Christ court, and someone can be against God. While committing some actions qui détruisent la communion. That destroys fellowship. Et l'une des actions les plus nocives au corps. And one of the actions destructive to the body. Il y a les murmures. Is murmuring. C'est pour ça que je vais t'exhorter ce soir. That's why I would like to exhort you this evening. À sortir hors du camp. Go out of the camp. Regarde pas l'attitude du camp. Don't keep the attitude of the mais camp. Rapproche-toi du tabernacle. But come close to the tabernacle. Afin de recevoir l'instruction qui vient du tabernacle. In order to receive the instruction coming from the tabernacle. Et de qui de toi? And from who? From the person that God has chosen. Afin que ta foi soit construite de la manière qu'il faut. So that your faith should be built the way it has to. En gardant les yeux sur le Seigneur. While keeping eyes on God. Car c'est lui notre direction. Because he is our direction. Et c'est aussi lui notre force. And he is our strength. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. À cause du format de ce programme. Because of the timing of this program. Je vais m'arrêter là ce soir. I will stop here this evening. Une autre fois peut-être Dieu nous accordera la grâce de poursuivre. Maybe another time God will give us the grace to continue. Mais je vais terminer en t'exhortant. But I will end up by exhorting you. Et en exhortant chacun d'entre nous. And exhorting each of us. Sortons donc hors du camp. So let's get out of the camp. Que le Seigneur continue de nous soutenir. May God continue supporting us. Merci Seigneur pour ta grâce et pour le privilège que tu nous as donné de partager cette parole ce soir. Merci de cœur disposé et du temps que tu as donné à chacun d'entre nous pour pouvoir recevoir cette portion de l'Écriture. Seigneur, daignes-tu toi-même continuer de nous instruire par ta